Me voilà ici de retour tranquillement, hein, en espérant que ça ne bug pas. La caméra est dégueulasse, c'est pas la soirée. Hein. Et merde. Voilà, c'est mieux. Configurer la vidéo, oui, je l'ai mis là. Hop. La caméra, c'est mieux. Hop. Ok, hop. Voilà, on repasse ici. Oh non, mes frères! Pourquoi Favini bug? Putain! Oh, ça me saoule! Putain, ça a intérêt de marcher quoi. Juste parce que j'ai changé les graphiques, ça marche plus quoi. C'est un truc de fou.
Allez, pitié, hein. Allez, pépère, hein. Merci, voilà. Retour en RP. Peut-être du coup je vais caler je vais avancer un rendez-vous et on se revoit plus tard dans la soirée. Je vais d'accord. Là je vais faire la maisonnette discuter et dès que j'ai fini je vous préviens et on fixe un rendez-vous, ça vous va? Tom, retour radio, désolé, j'avais une chenille dans ma chaussure. Ça a réglé au moins les problèmes de... Ouais, ça charge évidemment, ça a bugué, mais... 33 FPS, ouais, c'est pas encore ça. Oh, Doc? Mmh. Doc? Ouais. On peut avoir des nouvelles de notre ami qui est parti se faire soigner? Alors, si vous pouvez aller voir s'il y a quelqu'un dans l'hôpital, parce que moi j'ai un petit souci là, le temps que ça se règle, je pense que vous avez le temps de crever quoi. Ok, ça marche. Excellent.
Bon, ça peut charger maintenant, ça devient lourd, hein. C'est long, c'est lourd, c'est tout ce qu'on veut là. Voilà, c'est bon, nickel. Bonsoir, je peux vous aider ? Oui, vous avez besoin de soi ? Pas faire grand chose. Ah bah suivez-moi. J'ai pas de caméra. Ah bien sûr, mais j'ai pas de caméra, vous voyez. Une information sans preuve peut pas être jugée. Pourquoi faire ? Non, mais vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de ça, mais... mais non, laissez-moi faire, ne vous inquiétez pas. Non, on doit y aller. Vous êtes cette affaire, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Vas-y, salut, Lulu. Salut, Blondinet. Salut, salut. C'est lourd, mais ça peut charger, please, please. Tu vas où ? Pépère ? Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais la coscopie ou pas ? De quoi ? Il venait faire sa coloscopie, mais je l'ai faite. Ah bon bah, ok. Bah, si vous êtes libre, allez-y. Hein. Il y a ouais, après, le problème c'est que... Ça va ? Ouais, gros problème, mais ça va aller. Le problème c'est que je peux pas rentrer dans l'hôpital pour le moment en fait. Ah, d'accord. Ouais. Pourquoi tu peux pas rentrer, mec ? Parce qu'il a des soucis, il glisse par terre. Bah c'est quoi, cool, on peut rentrer, regarde de côté. Bah ouais, vous, ouais. Moi, il faut le temps que je m'agrippe au sol, vous voyez. Porte le crack. Non. En fait, regardez. Je peux, hein. Mais ok. Enfin, je vois rien, quoi. Ouais, nous, on vous laisse. Yep. Le coup de l'homme du coup c'est un calvaire, ça met 10 minutes à charger, je suis en train de péter les plombs frère. 10 minutes pour charger un putain d'hôpital quoi, sans déconner 5M quoi. Sans déconner quoi. Je fais quoi moi, je... Oh là là, quelle merde, sans déconner quoi.
Oui. Oui. Parce que là, ça fait 20 minutes et j'attends. Rem, c'est que moi, j'attends de pouvoir rentrer dans l'hôpital, en fait. Parce que je peux pas rentrer, en fait. Voilà, c'est le gros problème, quoi. Hein? Donc, ma collègue va s'occuper de vous, hein, elle va arriver. Oh, ok, bah... En fait, Shannon, je peux pas rentrer dans l'hôpital. Hein. J'ai un petit peu faim. Merci beaucoup. Je me sens en train de manger. Je vous donne un peu d'argent si vous voulez. Ah, merci beaucoup. Je me prends un petit truc à manger, je reviens. C'est quand on va redémarrer 5M, hein? Ça fait 5 fois, je suis plus à ça près en fait, hein. Casse les couilles, ça me casse les couilles. J'en ai ras le cul, bordel. Putain, j'ai que ça à faire de perdre du temps, quoi. C'est une calamité, c'est... J'ai même pas les mots, hein. Il est temps que je change non seulement de co, mais en plus de composants, hein, parce que là, c'est plus possible, quoi. C'est plus du tout possible. Trop cher, mais vas-y. Oh putain. Oh là là, mais... absolument rien faire, ça me casse les couilles, ça me casse les couilles, putain. Bon. Est-ce que c'est parce que j'ai baissé les graphismes? Est-ce que je me fais chier à redémarrer 5M? Merci, putain. Camille. Quand tu fais ça, tu finis dans quel niveau? Il va okay. Trouver la petite cuillère. Oui, bien sûr, man. Je pense que Dougie sera d'accord avec moi. Bien sûr, man. Les gars. Réglez ça dehors, là, je sais pas ce qui se passe. Il est con, lui, ou quoi? Viens, on sort. Assume, Malchim, viens, on sort. Ah, j'ai pas vu. Je frappe pas les handicapés, désolé.
tu verras quand t'auras les deux euros, tu le pété. Bon, qui a besoin de soin là? Moi. Et Attends. J'ai pas le temps, hein. J'ai pas le temps du tout là. Vas-y. Il t'est arrivé quoi? Je me suis trimballé la cheville, mais je ne sais comment. Ok, tu enlèveras tes chaussures quand t'arriveras au lit. Vas-y. Un peu là. Faut pas aller dans le lit, hein. Faut sortir du lit, hein. Faut sortir du lit. Nickel, faut pas s'asseoir sur le lit sinon ça... Il y a des problèmes, hein. Okay. Tu l'as vu. Ouais, ok. Ouais. Alors c'est juste pour la cheville, une pommade, puis je pensais... Hein. Ouais, exactement ce que j'allais faire. Hein. C'est incroyable, je suis médecin, moi. Quand j'aurai fini, tu te baisseras et tu te relèveras un coup. Vas-y. Ok. Vas-y, marche. Nickel. C'est parfait, merci. Remets tes chaussures, quand même. Ouais. Hop là. Parfait, merci. Merci, au revoir. Bonne soirée. À vous aussi. Imposé, hein. Comme on dit, je crois que c'est ça, c'est la bave. Du crapaud n'atteindra jamais la blanche colombe. Bah, vous avez raison. Hein. Tom, est-ce que je peux juste te demander... Je vais quand même leur régler leur compte. Ça va tes yeux? Est-ce que je peux juste me défouler un peu sur toi, là? Moi? Sur moi? Ouais. Parce que là, gros, franchement, hein, on a des patients dans l'hôpital, tu vois, qui en menacent d'autres. Tu t'occupes d'eux. Quoi? Ils font quoi? Ils prennent le temps de faire des fucks aux autres. Genre, on n'a pas le temps, tu vois. Genre, ils sont complètement... Attends, mais tu parles de qui? Voilà, c'est ça, le mec qui était en bleu, là. Il passe devant moi, il me fait des trucs. Mais c'était qui? Mais j'en sais rien, il a des lunettes violettes. Des Crips, je sais pas, Crips, je crois, un truc dans le genre. Ah ouais, il était comment? Il avait Ouais, mais il avait genre un truc sur la gueule. Lunettes violettes, cheveux noirs, peut-être. Ok, dread. Genre une chemise, un machin, un truc. Honnêtement, alors franchement, je vais être honnête, hein. Il m'a saoulé direct, je me suis occupé, je l'ai lâché. Hein. Mais. T'as mis son nom dans l'intervention? Non. Non, mais ça, faut que tu le fasses, Tom, c'est chiant, hein, ça. Hein. Il faut le faire. Oui, je sais. C'est obligatoire. Hein. Du coup, tu voulais que je te rende quoi comme service? Ouais, est-ce que juste tes yeux, ça va? Ouais, c'est bon, ouais. Ok, est-ce que tu peux juste t'occuper de lui? Il faut lui enlever son plâtre. Ouais, jambe gauche. Ok, ouais. Je reste là, mais juste en fait, j'ai 3 dossiers à faire là en même temps. Vas-y, fais. Vous êtes que deux? Chaud. Bah, comme tous les soirs. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Ok, bon, je te retire le plâtre. Ouais. En plus, ce monsieur-là, ça faisait déjà 30 minutes qu'il attendait, là, il en pouvait plus, le pauvre.
Et il se fait agresser à l'hôpital, quoi, genre... T'inquiète, man, tranquille. Yo, les Crash Boots, ça gaffe trop, il ton stream bug, je crois. Ouais, il comment veut... ça, agresser? Bah, il ouais, peut des sais, bugs, là, man. Je suis là, j'ai que des problèmes. Il veut se battre avec moi. Il avait quoi? Il avait une casquette? Il avait... Parce que... Ah, mais attends. Il avait des cheveux bleus? Il dit, je t'avouerais que... Je sais même plus. Mais il est encore devant, je pense, hein. Je vais aller voir. J'essaierai de regarder sur la caméra, je vais aller voir. Ouais, lunettes violettes, hein. Moi, je t'avouerai que s'il veut se tape, excuse-moi le mec, hein, mais... Moi, je vais pas me taper, hein, je sors direct le couteau. Mais t'inquiète, je saurai le reconnaître, hein. Yeah, man. Ok, tu me dis si je te fais mal quand j'enlève le plâtre, hein. Je le retire là, hein, tout t'inquiète, doucement. T'inquiète, man, j'ai pris des antidouleurs avant. Nickel. Mélangé à la fumette, je pense que ça va être bon. Tu me dis quand tu le fais, man. Salut Alex. Ça va ou quoi? Dites-moi si le stream bug beaucoup, genre, parce que là... Ouais. Attends. Ouais. Il y a plus personne. Hein. Ouais, tranquille. J'ai pas mal. J'ai une deuxième main, je me dose. Oh, fils de pute. Fils de pute. Non, là, j'en peux plus, quoi, frère. J'accumule les problèmes ce soir. On m'appelle. Ah, désolé. Hop. C'est bon, le plat est retiré. Hop. Comment tu te sens? Yo, oh man. Ça va, man? Ouais. On va peut-être le mettre en observation, lui, du coup. Tu veux qu'on le laisse un peu... observé par les internes, dans la salle? Ouais, on va le faire émerger un peu. Ouais, oh, il va se mettre ça tranquille. Va, man. Allez, on le met sur le... Tranquille? Non, tranquille. T'inquiète, moi, fais ton... Je vais l'amener là-bas, fais tes dossiers. Ça marche. Hop, je me lève. Ah bah il... ok. Je suis libre. On va vous laisser en observation. Ah man. Ouais. Oh, venez, je vous aide à marcher. Attends. Je dois appeler mon pote. Je peux l'appeler? Bah oui, mais on... Bah oui, vous pouvez. Après on n'est pas responsable, hein. Oh, tranquille. Ah mais on peut pas. Ouais, pourquoi? Ah ouais, non, je veux. Voilà. Non, on voilà. Peut pas. Mettez-vous sur le lit. Ouais. Allez, okay, on bon, va 5 minutes, hein. Les internes et puis voilà. Attendez! Ah, oh, mais oui. Je reste combien de temps, les man? Bah, 5 petites minutes. Oui, bah, c'est... je pars tout seul ou... Bah, on sera juste à l'entrée en fait, hein. Dès que ça va mieux, vous venez nous voir dans l'entrée. Ah bah, moi, ça va. Ouais, vous attendez 5 petites minutes. J'ai hein. Mes potes qui arrivent en plus. Ah, bah, dès que vous voyez. Vous êtes seul. Ouais, non, ils arrivent. Bon, bah, c'est bon alors, hein. Je peux reconduire? Ah non. Comment non, ça? Pour l'instant, non. Là, pas avant au moins 10 minutes, quoi. Je peux garder les antidouleurs. Bah tant que vous avez mal, oui. Après, une fois que vous avez plus mal... Ouais. Bah je vais avoir mal du coup. Ouais, c'est... Non, non. Minute. Ah. Je vais péter un câble là. Ouais, moi aussi. J'ai pas voulu le prendre, hein. À aucun moment j'ai voulu le prendre. Bah c'est pas grave, hein. Bah go. Tu viens avec ou non? De quoi? Tu viens avec ou pas? Où ça? Ouais, à l'appel. 4x4 du coup, ouais. Ouais.
Il a ménagé, il est là pour ça. Ah hein. Oh, putain, ça me saoule, frère. Ça. Ouais, ouais, non, mais. Puis encore. Là, Là, entre ça, les appels, les machins, les trucs. Plus que. Moi, tu sais que j'avais une chenille dans la chaussure. Ouais, bah, vous attendrez. Hein. C'est bon. Moi, j'ai mis une demi-heure à enlever la chenille dans ma chaussure, hein, sans déconner. Ah, ouais, quand même. Ouais, ouais. T'as des nouvelles de mon frère ? De ton frère. Mais t'as vu à quel point on a affaire à des débiles ? Regarde derrière. Qu'est-ce que... Attends, arrête-toi. Arrête-toi sur le côté. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur, dame. Qu'est-ce qui se passe ? Urgence totale. Yo, attends-moi. Eh oui, mais là, les petits... En fait, les gars, vous êtes pas les urgences qu'on a, en fait. On est que deux, les gars. Donc, Est-ce que c'est vous qui avez fait un appel pas loin, là ? À un kilomètre. Ouais, c'est... Mais justement, ça, c'est la mienne. Ah bah voilà. Mais en fait j'ai dit à tout le monde de pas bouger au final, ils ont pris couillé les deux mains et ils ont bougé. Ok d'accord. Bon. Éloignez-vous un peu. Alors écoute, je ne sais pas. Peut-être Gasper l'a pris par le colbar et l'a sorti de la voiture et j'en ai aucune idée. Hein. En tout cas il est sorti de la voiture par lui. Madame, moi je vais pas très bien. Pourquoi il mettait son plat ? Ah, je vais regarder. Il s'est passé quoi pour vous ? Yo, je suis tombé dans le grillage. Un grillage ? Ouais yo. Allez, cousin, réveille-toi. On a sauté du grillage et je suis tombé. Allez, il est arrivé quoi, lui ? Bah, je sais pas. Bon. Comme j'ai dit à la demoiselle, je vais vous donner un petit En fait, c'est sorti de la voiture, quoi. Ok. Je pense, à mon avis, il est sorti par la fenêtre. Le genou est un peu enflé, quoi. Bon, faites attention, si vous avez mal, vous venez à l'hôpital, on passera des radios. Hein. Oh, le pauvre. D'accord ? Quoi, votre nom ? Allez, réveille-toi. Vous en faites pas, je fais les premiers soins et puis il va se réveiller tout seul. Ouais, je sais, mec, les claques aussi. Yo, réveille-toi. Oh, yo. Ah, il a du mal à se réveiller, là. C'est normal. Une grosse claque, là. On va devoir l'emmener à l'hôpital, hein. Il faut lui faire une suture. Ok. Prenez-le avec. Eh ben, allez, on l'emmène. Attends. Éloignez-vous. Quoi ? Bah elle fume quoi. Oh. Je sais pas ce que t'as touché mais... Absolument rien. Mais ça allait y arriver normalement. Hop, on va l'emmener avec nous. Bon allez. Ça va mon cousin. Hop. Allez. Je le prends avec moi, vous en faites pas. A tout à l'heure mon cousin, on arrive. Oui. Hop, je le mets à l'arrière. J'espère qu'on va réussir à aller jusqu'à là-bas. Hein oui, t'inquiète. On n'est pas si loin. Hein. Ça va aller, monsieur. Pensez à une bite. Ouais. Pas trop envie à ça, quoi. Je pensais pas trop à ça. Eh ben, au moins vous m'entendez, ça veut dire que c'est bon signe. J'avoue, ça aide. J'ai dit ça comme ça, j'étais sûr que vous me répondriez. J'ai soif. Tu veux que je te regarde ? Non. Juste qu'on m'explique pourquoi on est que deux en fait. Genre...
sortez pas, hein. Vous attendez vraiment que la voiture s'arrête. Mais vraiment, hein. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Hop. Je vais juste occuper de lui. Ouais, ouais. D'être le joint de culasse, je pense. Ouais. Le bidon d'huile, ouais. Vous voulez que je vous aide, monsieur? Non, ça va aller, vous en faites pas. Ok, ok. Ils vont te soigner, t'inquiète pas. Non, pas là. Je vais mettre un bloc opératoire. Vous en faites pas, je vais pas vous opérer, y'a pas besoin, je pense. Hop. Ok. Je le mets sur la table. Je vais vous enlever votre t-shirt et votre haut, hein. Enfin, et votre bas, je veux dire, pardon. Ouais. Ok, je vous mets sur la table. Ok, je vois que vous êtes ouvert à plusieurs endroits, je vais devoir vous recoudre. Il n'y a pas besoin de. Comment dire? Je vais pas vous. Vous êtes un bonhomme? Bien sûr! Allez, eh ben on va. On va suturer tout ça et désinfecter. Il n'y aura pas besoin de vous endormir, hein. Vous me dites quand vous commencez, hein. Ça commence là. Vous me dites juste si je vous fais mal à un moment donné ou pas. Ok. Ah, ça pique un peu. Ah. Je passe aux toilettes. Oh. Oh, yeah. Là, ça va piquer très fort, attention. Oh. Voilà. Ah. Ok, la bonne nouvelle, c'est que vous avez pas de gravier dans les cicatrices, hein. Voilà, maintenant je vais recoudre. Dernier point de suture là, enfin les derniers. Mais j'ai pas encore commencé ça, là je vous ai infecté avec le spray, c'est ça qui piquait. Là ça va faire un peu moins mal là, c'est ouais. Comme si voilà, vous en faites pas, ça va pas faire trop mal. Ok. Ah c'est pour ça que ça pique aussi fort. Un genre de désinfectant. Exactement. Ok. Tiens, pensez à un truc qui vous fait plaisir là, à quelque chose que vous kiffez là, vous allez voir. Vous sentirez rien du tout. Ok. Une bonne fellation. Ah. Ouais, une bonne fellation. Oui. Bien voilà. Ah, c'est tout? Bah ouais, vous avez vu? Ah, c'est trop bien réfléchi. Bah ouais. Oui. Merci. Ah, ça pète un peu quand même, mais ça va. Ça, vous en faites pas. Je vais vous aider à remettre vos vêtements. Ok. Voilà. Voilà. Nickel. Merci, merci. Vous pouvez me passer votre carte d'identité? Carte d'identité? Oui. Je vous jure, j'ai pas ça sur moi. Attendez, je vérifie. Dans mon sac. J'ai pas ça. Et dans votre sac Calvin Clyde? Non? Calvin Clyde. Ouais, le sac K, Calvin Clyde.
Attends, je vérifie ça. Non, j'ai rien. Mais mon blaze, c'est Terry Boulot. Donc Terry 2R. Oui, Y. Ok. Et Blue. Blue, B-L-U-E. Ah, mais Blue comme la couleur, quoi. Oui, c'est ça. Mais Purple, c'est mieux. Purple, ok. Non, non, Blue, mais Purple, c'est mieux, quoi. Ah, oui, oui, non, mais d'accord, j'avais compris, vous en faites pas. Ah, oui, on, oui. Est le... on est le 21. Hop. Et vous avez un métier, monsieur, ou pas? Attends, non, j'ai là. Rien, je suis sans emploi. Re. Je suis totalement sans emploi. Ok. Petit soin. Hop. Ok. On va pouvoir y aller. Merci. Oh, merci, monsieur. Oh bah, c'est normal, c'est mon métier. Ah, hein. Mais c'est vous. Vous voyez le man avec la teinture grise. Ouais. Avec juste un peu de cheveux. Ouais. Ah bah c'est moi. Ah c'est vous. J'ai changé de tête. Ah vous avez changé de coupe, ouais. Ah ouais, ok. Ah j'aime bien oui, aussi. Oui c'est ça. Mais je vais refaire une teinture grise. Parce que ça me manque un peu, je vous l'avoue. Ah on est d'accord, hein. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui. Bah vous aussi. Soirée. Encore merci. Y'a pas de quoi. Merci. Qu'on puisse pas prendre les appels, franchement, ça me tue, quoi. Ouais, c'est lourd, hein, vraiment. Oh, Tom Sawyer. Comment ça va, mon petit? Ah, t'es gentil. Bah ouais. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air énervé, là. Ouais, que des soucis, là, depuis que je suis arrivé. Casse les couilles. Qu'est-ce qui se passe, encore? Ah, je peux pas te le dire ici, mais... J'arrête pas de faire des siestes, quoi. T'arrêtes pas de faire des siestes? Ouais. T'es fatigué? Ça ouais. Et puis ouais bah je suis fatigué. Non ça va, fatigue ça va, tranquille. Ah, nous aussi nous on a fait beaucoup de siestes ce soir. Ah oui. Ah ouais là je suis reposé pendant un moment hein. On a fait beaucoup frouf. De... Ah ouais frouf, on a fait beaucoup de cache-cache aussi hein. Ah ouais frouf. Ah frouf. Ah ouais ouais. Voilà, c'est ah ouais, déjà ouais. Le troisième hein. Ouais. Putain. C'est le troisième qui refusait automatiquement hein. Je vais péter un câble hein. Oui non mais. En fait si tu veux, on a des appels. D'accord. D'accord. Sauf qu'on peut pas aller les chercher puisque ils sont refusés automatiquement. Pourquoi? En fait. Pourquoi? Direct. Ils sont refusés direct. Ok. Mais... On peut pas l'accueil, merde, tu vois. Oh. Ok. Bon, passez une bonne soirée. Non, pas vraiment, non. Bonjour, vous voulez une thérapie de soins mental? Non, pas vraiment, non. Bah, super parce que c'est pas dans mes compétences. Nickel, bah du coup, on se comprend. Par contre, c'est dans les miennes. Vous voulez que je vous ausculte? Je pense qu'il a besoin, ouais. S'il vous plaît, monsieur, je viens de me casser la gueule comme une merde. C'est quoi le problème? Ah ouais. Bon, vas-y, je vais ramener la dépanne. Venez-moi. Ouais, vas-y, viens tout à l'heure. Oui, je viens, monsieur. Je viens de me casser la gueule juste devant comme une merde. En allant chercher quelqu'un. On vous a cassé la gueule ou vous vous êtes cassé la gueule? J'arrive dans une seconde, les man. Je me suis cassé la gueule. Ah, d'accord, donc vous êtes juste pas doué en fait. Oui. Oh, quatrième. J'ai un petit peu mal au genou et tout est raflé. Je vais à l'appel. Un petit coup de gueule. Hein. Pour les... Hop, je vous mets un peu de pommade. Vous facturez pas, monsieur? Non, on facture pas, non. Pris en charge par le gouvernement. Premier appel que j'arrive à accepter. Oh, trop stylé. Soirée, hein. Vous le dis, voilà, à noter. Bah, je vous paierai un café un jour. Ah, bah, pas de soucis, je suis friand de café, moi. Café noisette, c'est tout. Super, noisette, ça veut... noisette, le noisette avec la vraie noisette en ou fait, noisette avec du lait? Bah, noisette, donc, la vraie noisette. Ah, stylé, parce que café noisette de base avec du lait, t'as un peu de lait quoi. Mmh, mmh.
Non, non, et moi je prends le café vraiment avec la saveur noisette dedans, vous verrez, c'est ultra ouais, bon. C'est quoi. Bon ça. Ouais, je connais. Si vous allez à Starbucks, prenez un Toffee latte. C'est seulement pour Noël, mais c'est trop bon. Ah, malheureusement. Ouais, malheureusement, j'ai pas de Starbucks, mais comment dire, dans mon magasin là près de chez moi, ils vendent, vous savez, des petits cafés froids, justement, noisettes et tout. Là. Ouais, je connais. Hyper sympa. Allez, man, je sors de l'hôpital, j'arrive. Oh, allez-y, ouais, vous merci pouvez en y aller. Tout cas, je dois y aller, man. Attends, il me faut juste votre identité, s'il vous plaît. Ah oui, je m'appelle Biggie Terry King. Et mon chiffre favori, c'est le 402. Biggie, c'est Biggie. Ça Biggie, oui. Ouais, Terry King. Oui. Nickel, vous pouvez y aller. Bisous, bon courage. Bon courage. Allo, allo, est-ce qu'on me reçoit ? 5 sur 5. Parfait. Je me rends sur les lieux, du coup, oui, allons me reblesser. Sur l'appel que j'ai pris, là ? Au niveau de la boîte de... Ok. Mais je pense qu'on peut tous y aller, hein. PNJ de merde, c'est à dire que là j'aurais essayé d'aller tout droit. J'aurais pu aller à gauche, à droite. J'aurais rien fait, je me le serais pris. Hein. Channel. Non, non, c'est bon, vas-y, fonce à l'enfer, ouais, t'inquiète. Eh, hey, t'as vu, Shannon, il y a le concess. Ouais, j'ai vu, t'as vu ce bâtard, c'est moins de gros encore. Oh, c'est bâtard. Putain, j'ai vu, il y avait un super chaud. Alors, on va bouclé, là. Attendez, ton dévoyeur et tu es notre collègue. Ouais. Vous avez entendu, collègue? Apparemment. Allez, suivez-moi, c'est moi. T'es où, Jake? Je vais circuler. Pas sur vous, il y a quand même. Il y a encore, il y en a encore un. Je vois un peu du fond là. Je vois un petit bout de forme. Ah, mais t'es là, Tom? Ouais, je suis là, moi. Et toi, t'es là, Tom? Je sais pas. Ah, colonel. Je suis bien. Ouais, y'a 3 amateurs là-bas. 3 et B. Faites attention quand même, apparemment ça tire encore. Ah! Ça tire fort au fond. À l'intérieur, ne vous inquiétez pas, il y a assez d'agents. Mais en tout cas, il faut se stabiliser du coup. Ouais, apparemment, du coup, les 3 personnes déjà dehors sont stabilisées. En bas, c'est fini ou pas? Pas du tout, il y a un mec au pompe à l'intérieur. Il est en train de rafaler tout le monde. Couvrez-nous. T'es froid, quoi. Ça y est, vrai que t'as froid. Hein. Circulez, s'il vous plaît. On est des médecins, monsieur. Pas bon. Ah, est-ce qu'on met des petits clous ou pas autour de la zone là pour limiter la circulation? D'accord. Ok.
Pardon, j'aurai un dernier aller vers vous. J'ai une clé torse. On est comme il va venir. Vu du en moto qui arrive à te tourner. Ah, pique un bandage. Hop. Vous allez vous m'entendez, monsieur? Oui. Ok, mettez-vous assis vers le mur. Je m'occupe de vous, je m'occupe de l'autre. Je vais vous aider pour stabiliser. Ah hein. Oh, putain, on en a un quatrième, d'accord. Bilan, le Henri était le dernier et lui aussi dernier, oh, donc bien, blessé bien, grave. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le mari, excusez-moi, le motard du coup. Ouais, je vais vous aider sur la personne. Ok. Ouais. Il va faire un barrage. Oh punaise. Faut envoyer de la crémo là, non? Ah ouais, ok. Je pensais que l'FPI y avait. Ah, il va repasser, je suis sûr, vous écoutez ou pas le bruit du moteur? Ah, ok, c'est bon. Vous m'entendez? Hop, mettez-vous vers le mur. Ok, ok, vous avez fait les premiers soins, bien joué. Ouais, là, tout ce qui est stabilisation, ouais, je m'en suis coupé. Il faut. Il y a encore des plaies. Okay. 23? Ouais. Comment ça va? Ah, ça pique. T'as pris une bastos? Ouais. Tac, et lui s'est fait aussi. C'est dessus. De suturer les plaies comme tu peux. Et... Je vais devoir encore. Ce que je suis en train de faire. Vous êtes blessé par balle, on va vous mettre un peu plus loin, ça sera mieux. C'est bon. Ouais, c'est bon. Et vous, 23? Non, ça va aller. Pose un peu, je suis après. Ok, ok. Oui. Vous voulez. Le, il est où? Ok, je mets un bandage. Ok, ok. Mais attendez, il faudra juste mettre les blessés là-bas, ça sera mieux, hein, honnêtement, qu'ils soient couverts là-bas. Oh, bon. Ouais, je vais ramener le soccer. Tu veux que je te porte 23? Tu veux que je te porte là-bas pour qu'on nous... Voilà. Les autres, ils travaillent pas ici. Une tension très basse. Il y en a un qui travaille, je les connais tellement pas, mais c'est pas grave. Il y a un point très bas. On va s'en occuper. La marche, Il est là, j'arrive. Écoute, j'arrive. Le chef. Il est rentré. Ok, je vais. On l'emmène à l'ambulance ou on le met dans une voiture? Non, là-bas, la personne à la suite, il faut qu'on mette à couvert. Vas-y, viens. Ouais, tu vas te mettre derrière la. Au pire, mets-toi dans la rue derrière. Non, regarde, là, mets-toi derrière la fugitive parce qu'on sait jamais, là, il y a une porte qui sort par là. Mets-toi là, tranquille. Putain, il est bien touché lui aussi, là. Ouais, bah là y'a des gens. T'arrives à la revoir toi, Jake là? Je fais ce que je peux. Ok, d'accord. Okay. Je rentre mon arme, d'accord. En vrai, je pense que t'as la chance, parce que si jamais ils sortent là, tu vois, c'est d'accord. Ok. Vous jouerez des papes en otage? Comment? Vous jouerez des papes en otage? Ouais, ça va aller, t'inquiète. Ok, d'accord, j'avance, j'ai les mains en l'air. Et vous aussi, vous recevez des appels. Vous m'entendez mieux comme ça ou comme ça? Ok, je vais avancer encore un petit peu, d'accord. Non, faut pas le faire. Là, c'est bon, là. Ouais, gère la circulation, si tu vois des véhicules étrangers ou autres qui passent, dis clairement qu'ils dégagent, sinon... Non, le chef Hacham m'a dit laissé là, il m'a dit laissé là, la voiture. Je m'en place une perfusion. Oui. Ok, ok. Ok, ça marche. Ok. Eh, 23, on fait quand même couverture en diagonale. Je soigne la plaie. 23 et derrière le véhicule. Il faudrait que j'ai un peu prendre l'arme d'intervention avec plusieurs personnes. J'ai réussi à discuter avec le mec qui est à l'intérieur. Bon, je peux vous rappeler une fois que c'est terminé? Vous restez encore un petit peu en vie? Tout ce qui bouge, il tire. J'ai réussi à lui parler avec. C'est comme ça que je vais. Je vous rappelle dès que j'ai... On a arrêté tout à l'heure, du coup sortent pour rentrer ici à l'intérieur. Parfait. Donc du coup, je lui ai pas dit qu'on ferait ça forcément. Okay, D'accord. Ce que. Oui, Tom. Ouais, non, c'est juste que. Attends. Tu viens de te faire pousser, Jack, hein. Il y a un manque de respect là. Il m'a poussé.
Un flic là, il t'a poussé. Il t'a poussé. J'ai même pas senti. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Mais il t'a poussé quand même, il t'a frôlé. C'est faible, hein. Non, c'est faible. Ouais, mais il t'a poussé, fais gaffe. Si on en a. Oh. J'ai suturé les plaies. On peut pas les prendre, nous, les vôtres. Vous avez. Et la sultane, on peut la virer ou pas? Parce que là, elle fait chier, non? Et je vais l'aller garer. Attends, laisse-la là 30 secondes, laisse-la là 30 secondes. Ah, laisse-la, laisse-la. Oula. Ah, ouais, ok. Là, tu peux. Non, c'est moi, c'est. C'est moi. Oui, c'est moi. C'est Tom. Donne-moi ton avis là sur celui que je suis en train de faire. Attends, je suis occupé là. Mais tu vois pas que je m'en occupe aussi? Moi je te voyais tout à côté. Hein. Ah non, j'étais sur celui-là. C'est moi là. Putain, mec, c'est quelque chose. Hein. Ça va 23, tu te sens comment? Ah ouais, tu perds pas comme ça, tu restes avec, tu vas pas froid. Si vous voulez, je peux projeter le véhicule, j'ai une formation, ça va direct. Ok, c'est... t'as pris quoi, une balle de fusil à pompe? Ouais. Ah merde, tu l'as envoyé, tu l'as pris où? Alors, pas en chier. Ça va, ça va, direct. Ok, il y avait des chiens. Ok, bon, il y a Ah, pas, attends. J'ai la que le mec est à droite, d'accord. Ok. Oui, non, c'est bon. M'entendez? Ouais. Ok, nickel. Vous avez beaucoup de plaies, j'ai dû faire ce que je pouvais hein, avant de. Ouais. Ah, bah non. Il faudrait refaire. Ok, vous allez me suivre? Vous pouvez marcher ou pas, vous pensez? Ouais, ça va, c'est vrai. Ok, mettez-vous contre le mur, je vais. Ok, d'accord. Bah, mettez-vous au niveau du mur, je vais ramener l'ambulance. Circulez, monsieur, s'il vous plaît. Fusil de police. Merci. C'est juste que ça me fait chier. Genre, je. Ça va, 23. T'inquiète, ça va aller. Tu veux qu'on aille chercher les EMS? Ouais, il veut se garer où? Allez-y. Vous passez là ou pas? Ouais, je pense, ouais. Circulez, messieurs, s'il vous plaît. À une porte. Sur la plaque qui est une clé. Y'a plus de danger ici? Je vais juste prendre le fusil à pompe. D'accord? Bouge pas. C'est bien sûr qu'il y a encore du danger. Si, y'en a encore toujours. Ah, ok, d'accord. C'est comment dedans? C'est comment? Hey. Ah ouais. Je demande à... Il y a un bougain. Coup de pompe dans la jambe. Oh, son dernier, c'est là, l'autre, il va jamais sortir en mieux, on va pas se mentir. Il y en a encore dedans? J'espère qu'il se fait plomber. Des blessés, non, Neg? Ah ouais. Non, mais un homme armé. Bah, il en reste si, un. Si, il est toujours. Ouais. Il est toujours. Bon, l'ennemi, il veut pas sortir, il est fait comment avant? Il va pas sortir vivant, voilà, je le dis clairement. Pourquoi il y a ce job là? Moi, je ne pense pas non plus. Hein, ça va? Là, il est vraiment débile. À coup du mieux. Et toi? Je vais t'emmener. Il est nerf, t'inquiète, tranquille. Ouais. Attends, ouais. Je vais te mettre dans l'ambulance, d'accord? Ouais. Il est où 14? 14 et. Je crois qu'il est à terre, non? Il est où? Il est où 14? Il a été requinqué, non? J'ai pas du tout. Tiens, je te mets à l'arrière. C'est super puissant, il y a des petits hématomes, mais c'est pas. Je crois que j'ai tout pris dans le gilet en vrai. Ça pique un peu, c'est parti. C'est bon de ton côté ou pas? Ouais, lui il faut l'emmener faire une radio, mais je pense que c'est plutôt superficiel. Ok, ça marche. T'as encore de la place dans l'ambulance ou pas du tout? Ouais, j'ai de la place, mais il me reste une place. Ouais, je veux que tu prennes, ouais. Ok, ça marche. De toute façon, j'en prends toujours plein. Ouais, je sais que t'aimes bien en prendre plein à la fois. J'en prends plein tout le temps. J'adore ça, en prendre plein. Ça se passe de votre côté? 13. Ouais, c'est bon. Ouais, mais on va ramener du monde. Hein. Suis l'ambulance avec la Stenia. Vas-y, ça marche. Moi, je fais quoi? Je vous aide à marcher. Ah.
Reste sur place. Non, c'est l'autre, la Stanier. Bah ouais, vous pensez là, c'est pas grave. Je vais à l'arrière. Voilà. Ah, yes, ouais. 23 ? Ouais. Là, il y a, comment il s'appelle, il y a 13, il me dire que sa radio, elle marchait pas. Du coup, il dit, est-ce que je nous prends avec lui ou pas pour que moi j'ai la radio ? Bah, prends la voix. Dis-lui de rester sur place et d'aller de l'autre côté. Ok. Demandez au shérif. Bon, bah, vas-y, en fait, c'est moi qui prends la voiture, du coup. Disons que j'arrive un peu au mauvais moment. Fils de... Nickel. Jake, je retourne à l'hôpital. Hein. Demain. Ça va avoir une proie. Ouais, ça pique un peu. Putain, on a joué. J'ai l'impression qu'on était bizarre. Je te dirais par mail, mais. Attends. Ah, t'es mail. Je sais pas, je suis passé devant la colonne. Et je sais pas, j'ai entendu un bruit, je suis retourné dehors. Mail, s'il te plaît. Ouais. Ça me fait plaisir de voir ça. Ah, t'as pris dans le gilet toi aussi. Ouais, surtout que je l'ai mis juste avant de rentrer. À 5 minutes, j'en avais pas. Ah ouais. T'as de la chance. Hein. Ouais, nous, on a de la chance, tu sais que notre unité SWAT, elle est vraiment arrivée dans les 2 minutes. Où j'ai fait ma demande de renfort, ils ont été hyper rapides, j'ai jamais vu ça par contre. C'était incroyable, j'ai fait une demande de renfort parce qu'il y en a un qui avait un pompe. Vraiment, allez, en quoi 35 secondes, on était 4 voitures. Il s'est perdu. Tom, t'es qui rentre pas en bas. Oui. Il est plein l'autre là. L'autre ? Ouais, mon aspirant. Bah écoute, non, moi j'ai pris vous deux parce que j'ai que deux places. Non mais il lui a dit de vivre en voiture. Ah bah alors il a pas suivi hein. Incroyable. Ok, qui peut marcher, qui peut... Qui veut que je le porte? J'ai pris dans le... Ok. Qu'est-ce que... Salut. Une fusillade et tout. Un suicide? Putain, j'avais pas un abonnement. Si on fait des cartes au bout de la 10ème visite, j'ampute. Oh, en fait je vais pas la prendre ta carte, hein, merci, ça va aller. Moi, j'en connais encore un qui va se faire tuer par sa sœur, mais ça, je dis rien. Non, tu notes pas. Allez, je note pas. Allez, je note pas. Ah, oh, putain. Ah, ouais. Ah, puis si, je vais noter, je pense, en fait. Tu veux mourir? De quoi? Hein? C'est des menaces? Non. Okay. Je prédis l'avenir. C'est pas des menaces, tu préviens, c'est ça? Là, ils sont là à droite, ça va te coller. Ok, mettez-vous sur le lit que vous voulez, je vais m'occuper de vous. Ouais. Putain, je vais enlever mon haut là. Est-ce que ça va encore besoin de moi ou pas? Ou je peux retourner sur les lieux, moi? Ok, nickel. Merci. Ok, Tamalou, tu... Okay, ouais. Désolé, c'est compliqué pour moi. Ah, bah, j'ai pris un coup de 12 dans le gilet, mais une grosse veste de bécane par-dessus. Je crois. Ouais. Et t'as un putain d'hématome, par contre. Ouais, c'est ça. Faut demander à Aladdin. Vas-y. T'as piqué de la pommade, ok, ça va te faire froid. Ouais, c'est déjà froid, c'est un et un peu mal, tu caches pas. Non, ça va aller, ça va aller. On est solide. C'est pas moi qui ai genre le plus gros dossier. Non, c'était des personnes jaunes. Ouais, mais ils existent plus. Ouais, ils existent c'est plus. C'est moi maintenant, c'est ça. Non, parce que après c'est. Ah bah oui, c'est toi, oui. Ouais, c'est toi. Ah là. C'est ça que je veux. Ah, c'est ton but. Okay. Oui. Alors, je note, hein, parce que je vais le dire à une certaine personne, je pense. Bah, elle va dire ça m'étonne même pas, tu vas voir. Oh. Et moi, je vais rester assis, moi. Voilà. Ok. Elle dort, là, en plus, donc tu vas rien dire du tout. Non, je t'applique pas mal, là, j'ai pas le temps pour l'instant. Mais... En plus, ça se réveille tôt, donc t'as vu. Genre dans 4 heures. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ah ouais.
Tu sais qu'hier, j'ai tenu 26 heures sans sommeil. Mais t'as dormi aujourd'hui, j'espère. Ouais, j'ai fait 23 heures, 7 heures. Mais faut dormir plus, là. Là, va dormir, là. Sinon, moi, je te fais aller dormir, moi, tu vas voir. Ah, je peux pas, j'ai pas le temps. Comment ça, t'as pas le temps? À dormir, j'ai pas le temps. Je perds du temps quand je dors. Mais t'as quoi à faire pour pas avoir le temps? Plein de trucs. Genre quoi? J'ai des projets. T'as quoi comme projet? Dis-moi tout. Non, mais t'inquiète. Petit projet, tu sais, vidéoludique et tout, tu vois. Ah alors ouais. En plus, avec le truc de médecine à côté, voilà quoi, ça prend du temps. Hein. Ouais, mais faut dormir quand même, c'est important. Hein. Ouais, oh. Mais tu sais qu'en vrai, tu vas rigoler. Attends, tu vas rigoler. Genre, j'avais pas dormi pendant 26 heures, ok. J'allais me coucher. Je me suis réveillé au bout de 3 heures, j'étais plus fatigué. J'ai dû me forcer à dormir. Ah ouais. Non, c'est extrêmement grave. Je pense que c'est criminel, comme dirait un de mes collègues. Je sais pas. Tu te sens mieux là, c'est bon? Ça va te faire un peu froid hein, pendant. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je peux retourner à la guerre? Ouais, tu peux retourner à la guéguerre, ouais. Attends. Même pas d'arrêt. Hein. Ok, non, il y a une guerre quelque part, je crois. Ah ouais, c'est un pays assez lointain, il t'appelle, je crois. La Syrie? Ouais, ça doit être ça. Ah, c'est pour moi, ça. Je vais enfin pouvoir mourir. Let's go. Ça, je peux le répéter, ça. Ah non, je peux pas, j'ai pas le temps. Non, t'inquiète, j'ai pas le temps. T'as pas le temps. J'ai pas le temps. Vas-y, lève-toi et puis tu peux sortir. Merci, chef. Chef? Oh bah non, je suis infirmier. Je parle comme les coups. Ah oui, pardon. Allez, prends soin de toi, hein. Ah bah non, vu que oui, tu veux. Oui, non, mais non. À vous deux. Alors, où est-ce qu'il a mal? Ok, toi aussi t'avais un gilet? Ouais. Ok. Bon, pareil, hein, ça a piqué une pommade, ça va te faire froid. Puis au bout de quelques heures, bon, ça ira mieux. Hein. Ok, ça marche. Ah, attends. Non, j'allais l'ouvrir. Bonsoir, la porte est ouverte. Bonsoir, merci. T'inquiète. Ok, désolé, je te mets la petite pommade. Vas-y. Pendant ce temps, fume-moi ton blaze. James Calvin. Tu m'as dit James, c'est ça? Ouais, tiens. Voilà. Tu te sens de marcher? Ouais. Eh ben, let's go, tu peux sortir. Okay. Tu es libre, je te libère. Ouais, merci. Va faire la guerre. Hop, tu connais le chemin de la Tisor, yes. Comme on dit. Merci. Ouais, mais vous êtes où? Là devant vous. Ouais, mais j'avais dit de venir à l'hôpital pour me récupérer, de me suivre le lendemain. Va, Tom.
écoute, ça va, je venais te demander si j'étais là ou pas. Je sais pas trop. Okay, t'es un peu indécis. T'es un décis, non, t'es directeur. T'es un directeur. Imbécile. Je suis indécis, pardon. D'où tu me traites? Je t'ai pas traité. Tu m'as traité. Hein. T'es traité. D'accord, tu m'as traité. Un traité. J'ai un peu l'impression qu'il y a de nouveau des appels là où on était. Ouais, faudrait peut-être qu'on y aille. Mais par contre, t'as déposé quelqu'un là dans la chambre de repos. Il fait quoi lui? Il a peur de. Ouais. Ouais, ok. Bon. Ah si. Ouais. Hein? Ah, attends, je te suis. Attends. Ouais, non. Attends. Attends. Ah, oui. Attends. Non. Non, en fait, je voulais aller là-bas. Tu sais, j'en ai marre là, Jake, en vrai. J'en ai marre de quoi? Peter, il fait que de parler, ça me casse les couilles. Ouais, Peter et Hugo. I am hôpital. Ouais, oh, vous êtes réveillé. Bon, j'ai retiré les fragments qui étaient logés, aucune partie vitale n'a été touchée. Vous pourrez sortir dès que vous vous sentirez un peu mieux. Ok, pas de problème, merci à vous. Je vous en prie, pas, il raconte juste sa vie, hein, c'est pas grave. Pas de soucis. Tu commences à me casser les couilles. Hein. Allez, ouais, merci beaucoup. Fais gaffe, bah, tu me saoules là, Jake. Tu m'as saoulé. Parce que là, je vais commencer à dire les choses. Hein. Ça va pas te faire. Je vais te dire les choses, ta main. Dis-moi les choses, vas-y, on va à ton bureau, tu me dis les choses. Les choses. D'accord, là, tu m'as saoulé. Hein. Là, tu m'as saoulé, ta main. T'es pire que ça. Ça me casse les couilles, quoi. C'est... Même wow. La SPD, c'est plein pas autant. Là, t'es pas objectif. Hein. Descends un ton. Je descends là. Descends un ton. Là, tu fais gaffe, tu me suis. Hein. T'as mis où l'ambulance là? Devant, mais elle est venue à la niquer. Ah, bah j'en prends une. Super. Attends, je viens avec toi. Hein. Ouais, viens avec moi. Fais gaffe à la porte parce qu'elle s'ouvre assez lentement. Bah, j'ai pas son temps. Hein. Là, ça me saoule quand tu me réponds pas. Hein. Ça me saoule. D'où je t'ai pas répondu? Mais fais gaffe. T'es vraiment un gros bâtard. Hein. Alors, je suis un bâtard peut-être, mais je suis pas gros. Quand pas commencé à me casser la couille. Hein. C'est vrai. Déjà qu'il t'en reste. Trois agents à terre, putain. T'es au même endroit? Hein? T'es au même endroit? Attends, je regarde. Ouais, c'est Vinewood. Ça commence à faire beaucoup là quand même. Ça va de ton côté, Dr. Pierce? Ouais, ça va, je vais partir. le stream lag tout le temps en ce moment, ça me casse les couilles, t'inquiète. Mais salut Alan, du coup. Fais gaffe, il y a une moto là. Voilà. La croque-faute, non? Ouais, non, mais je sais. La prochaine à droite, hein. Je descends pas. Hein. Je descends pas là. Hein. Descends. Bah viens, on se fait un peu de ce bordel. Oh là 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 là. De lui. Je m'occupe de lui. Fais 36. Tire-le un petit peu. Attends, je vais tirer lui. Il est où Peter là? Je suis là. Parle trop, Peter. Occupe-toi de 17 et 47, s'il te plaît. Ouais, ouais. 23, du coup, nous, ça se passe comment? Bah, écoutez, pour l'instant, on va attendre. Hein. C'est un peu la merde, là. Un peu, ouais. C'est compliqué, hein. Vous allez les rejoindre à l'hôpital? Le monsieur s'en occupe là-bas ou pas? Dès qu'ils sont sortis, c'est Jake qui s'en occupe, je crois. Ouais, ça marche. Nous, en fait, on escorte les ambulances, c'est ça? Suivez surtout, parce que là, c'est le shérif. Ouais. Ok, ok. Ça, vous pouvez le. Je vais m'occuper de 17, on est ensemble. Partons en code 2, du coup. Ok, code 2. Ah.
tous les deux dans la même. T'as mieux vous les chalets okay, ça marche. Gilets, ouais, ouais, ça va. Non, moi, oui. Tu vas sortir. Du coup, je suis en racine trêpe ou pas? Oui, t'inquiète. On sait. T'inquiète pas, tout va bien. D'accord. Je peux en racine trêpe du coup? T'en appelles. Ok. Bah, 17, ça va? Y'a. Ouais. Est-ce qu'il m'entend, pépère? Ah, mais d'émotion. J'ai injecté. Ah, ouais, trop bon qui parle. Je sais pas. Ouais, ouais, venez, ouais, on s'écarte, ceux qui... Montez dans l'ambulance. Hop. Eh bien, on y va. Non, ouais, on va prendre là. M'entends, monsieur? Tiens, Shannon. Attends, je vais prendre l'appel, là, du coup. Hein. Bah, là, on a quelqu'un aussi, on est à l'hôpital, je pense, là, devant moi. Ah, je peux conduire, je vais vous rejoindre là-bas. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Bah vas-y, prends l'appel alors. Bah je l'ai refusé. J'ai oublié le temps pour ça et une fois que c'est fini, je vais le récupérer. Ouais. Ah bah c'est ici. Ici. Nickel. Bah c'est ici. C'est juste là. Ouais. Ah. Oh t'inquiète. Vas-y. T'inquiète, une fois que les EMS sont lui, là. Il récupère tout le monde et on a. Il est là. Ah il est là, ouais. Ouais, t'inquiète pas. C'est un mec qui fait conduire une mariée, genre 66, c'est rigolo, mec. Ouais, 23, je t'écoute. Il a une espèce de gros torchon sur le visage. Je voulais juste dire que j'ai pris en photo tout ce qui s'était passé en bas, je voulais l'enverrer. Ouais, je pense, c'est une nappe. Vu que c'était. Je t'en occupe, Shannon. De quoi? Je vais t'en occuper du. Ouais, bien sûr. De monsieur Serviette là. Ouais. Monsieur Serpillère. Hein. Ah, du coup, son arme qu'il avait sur lui, je l'ai mise de côté, je l'ai mise dans un sac. Il est en bonne position là, attends. Et du coup, voilà. Les autres étaient armés ou pas? Ah, tu l'as, c'est bon. Les autres étaient armés, du coup, en tout, il y avait deux 9 mm et un cadencier. Et du coup, lui aussi, il a un cadencier. Il y a une odeur de pied, non? Ok, donc il y avait 2 mm. Ah, mais c'est parce qu'il est en claquette. Ça pue encore beaucoup. On n'est plus des pieds. L'autre, il marche avec du camembert, tu vois. Du coup, voilà, comme ça, vous avez le plan topo. On y va. On y va. On circule. On y va. Bonjour madame, vous êtes assez moche quand même, faut le dire. Ah, il t'entend pas? Ouais, bah prends-le, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il l'entend pas. Faites monter des agents avec votre MS là. Je réitère, ça fait 69, on est en ambulance. Dangereux. Très dangereux. Non. Ok, là va à droite. Bah après, c'est pas que son état de se battre le type. Non, j'avoue. T'as vu les petits curieux là sur le côté là qui regardent, qui sait genre oh y'a une fusillade, qu'est-ce que c'est, ouais, ça tire ici. Oui, y'a une tire. Bah moi je vais les fusiller. Quoi? Je vais faire des vues, yannani. Je suis des tac-tac. Oh des chiants quoi. Les toc-toc. Les toc-chic. Les toqué-toqué. Ouais. Est-ce que je vois le droit au jus moi? Ah oui. Sprindle, c'est une merde. Jus près de main. Ah, parfait. Maxi jus, hein, pour bien sûr. En fait, est-ce qu'on peut tous se calmer là, s'il vous plaît? Je sens que c'est un peu tendu. Ah. C'est pas derrière l'hôpital? C'est drôle, hein. On passe par derrière nous. Ah. Ah, l'entrée des artistes. Bon, j'adore passer par derrière moi. Ouais, je sais pas, il y a un ascenseur. T'as remarqué, Jake, l'odeur elle nous a suivi là, tu sais, l'odeur de pied. Ouais, y'a plus de pied là. Ouais, ça a senti les pieds là. Ouais, j'ai mes chaussures. Mon dieu. Héros, t'es mal le créneau. Bah il est nul parce que t'es sur la bande jaune hein. Bah non, je suis pas sur la bande jaune. Là tu m'as saoulé. Là tu m'as saoulé. Ah, tu me saoules hein. Là ça m'a gavé quoi. Oula. Ok. Je le prends avec moi, lui, je vais l'aider à marcher. Ouais mais on s'en moque, je prends avec lui. Je prends pas le. Il casse les couilles le directeur là, c'est. Chier. Putain. Et le connard le directeur. T'as 36.
T'as pas été blessé toi? T'as toujours une seule ambiance de merde ici, genre, c'est. Tant mieux. Par où, Azur? Quelle ambiance de merde, quoi, c'est. C'est un mec qui l'a fait. Je vais pas pouvoir m'occuper. C'est pour où là que je me fous? Donc celui que j'ai relevé, hein. Peu de temps quoi, quand même. Que je vais prendre une pause, sinon je vais casser les portes de l'hôpital, hein. Avant mon poste-temps. Là, il y a abandon, ouais. Moi, je suis le travail de. Vas-y, relâche tout ce que t'as à dire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis psychologue. Je sens que t'es chargé. On peut extraire les claques dans la salle de repos. Je vous êtes patienté un peu, monsieur, là. Je pense que je vais tabasser les vestiaires comme si c'était des piñatas. Voilà, je reviens. Allez, vas-y, décharge-toi. Vas-y, décharge-toi, l'autre. Ça y est, toujours des allusions de cul, hein. C'est... N'importe quoi. C'est relou, quoi, Jake. Hein. C'est... Et décharge tes nerfs, toi qui comprends tout de travers. M'énerve. Oh, ça me saoule. Je ne peux plus. Je vais désinfecter la gueule, viens ici. Désinfecte-moi la gueule et je t'empoisonne. Hein. Je vais désinfecter la gueule. Fais gaffe, parce que moi je vais te dire un truc là, je peux te voler dans les plumes, hein. Je vais dire les choses. Hein. Tu vois ce tourson là? Je te le fous dans la gueule, hein. Je vais t'étouffer. Je vais pas soigner. Tu peux pas t'occuper de ton patient parce qu'être un peu pro là, saouler, c'est direct. Hein. Tu me saoules. Là tu me perds. Là tu me fais sortir de mes gonds. Hein. Ça m'énerve, j'en ai marre. J'en ai marre. Je me casse, franchement. Casse pas aucun professionnel ici. Soigne-moi avant, s'il te plaît. Je te casse. Je peux pas. Merci. Là si tu me parles encore, fais gaffe parce que je m'en vais. Soignez-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, Roya, comme une petite légère. Je vais te soigner, mais voilà quoi. On n'est pas à l'hôtel ici, hein. Bah non, je sais bien. Ouais. Parce que c'est le directeur, il me casse les couilles. Hein. C'est qui le directeur? On va échanger, là, reprends ton patient. Là. Je peux plus, moi. Je me suis rendu compte à la fin. Je vais crever, putain. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, ça va? Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je me suis juste pris un coup de cosse. Moi, j'ai pas pris de balle. Fais voir à l'œil, là. Putain. À 5 près. J'ai dit pardon, hier. Évitez de trop parler, là, parce que ça va me saouler. Vous pouvez me redire ce que vous avez, s'il vous plaît? Oui, coup de cosse. Coup de creux. Bah, ok, d'accord. Vous pouvez descendre de la table et me montrer l'arrière de votre crâne, s'il vous plaît? Oui, ici, œil gauche. Vous l'avez pris. Œil gauche, ouais. Vilain hématome. Ouais. Excusez-moi, je suis un peu sous les nerfs, c'est mon directeur là, il fait que de me saouler. Y'a pas de soucis. Putain. Je pense que j'aurais préféré me prendre des balles, putain, qu'un coup de crâne. Je suis en train de travailler là, monsieur, attention. Oui. On n'est pas à l'hôtel. Hein. Non. Ah, vous êtes pris une belle saucisse dans l'œil là. Excusez-moi, une belle saucisse pour moi c'est un beau coup quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ouais. Donc, je vais mettre un peu de pommade. Ok, vous n'êtes pas l'air d'être ouvert donc ça va. Répondez pas surtout. Hein. Mais vous venez de dire qu'on n'est pas à l'hôtel. Pitié. Évitez de parler s'il vous plaît, je suis en train de travailler. Répondez pas, hein, surtout. Mais... Non. Ça vous fait froid, là? Ouais, un peu. Attendez, on n'est pas à l'hôtel, ici. D'accord. Ça y est, là, je crois que je me sens un peu mieux. Ça va un peu mieux, Chanon? Tu t'es déchargé? Silence sur la radio, s'il vous plaît, je suis en train de travailler, là. Tom, on est en train de parler, en train de travailler. Et vos collègues doivent vous aimer. Au moins parler, s'il vous plaît. Tom me prise de service. Ça vous fait froid là ou pas? Oui. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut dire à tous les patients là que c'est pas l'hôtel ici, faut qu'ils arrêtent de parler, hein? Oui. Voilà. Cette nuit, je me fais j'ai repeint la salle de repos. Oui. Alors, est-ce que ça vous fait froid ici là? Comment? Non. Attendez, on n'est pas à l'hôtel ici, hein, faut pas continuer. On commence à arrêter de parler, hein. J'ai froid. Tu veux une veste? Non. On n'est pas dans un igloo ici, madame. Il fait pas froid. Moi, je sais, voilà.
Voilà, c'est bien. Il me saoule tout ce soir. Les... Directeur, déjà, là, qui fait que de m'insulter. Ok, là, ça vous fait froid ou pas? Oui. Ok, nickel. Bon, c'est que ça agit. Voilà, venez avec moi. Ah, il me faut juste votre nom et votre prénom. Oui, Samuel Johnson. Non, votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Oui, Samuel Johnson. Ah oui, pardon. Non, mais c'est moi. Désolé, c'est les nerfs. Oui, bien sûr. Donc vous avez pris un coup de crosse, voilà, c'est ça, coup de crosse, et pas un coup de moto, hein, si je peux me permettre. C'est... Motocross, vous voyez. Bref. Vous avez un métier? Non, chômeur actuellement. Ok, ça marche. Donc chômeur. Application de... Pommade. J'ai dit pommade, hein, j'ai pas dit nomade. Hein. Oui, oui, bien sûr. Attends, j'aimerais au Popziner quand j'aurai le temps. Ok, c'est bon, votre dossier est fait, vous pouvez sortir librement. Mais faites gaffe, hein, parce qu'ici on n'est pas à l'hôtel. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais oui, mais je tiens à le dire. Quoi. Oui, oui. Voilà. J'ai pas besoin de repos ni rien. Non, pas de repos là-bas, vous vous déconnez ou quoi? Non. Bonsoir. Non, je déconne pas. Alors, par contre, Peter, vraiment, lui, faut le calmer, hein, parce que tu lui demandes si c'est froid quand tu mets de la pommade, il répond oui, il s'écrit à l'hôtel, quoi, il parle tout le temps. Hein. Bah, non, je suis sans mots, honnêtement, mais... Putain. Ouais. Là, on n'est pas à l'hôtel. 17 oui, vous pouvez me regarder, s'il vous plaît? Oui, je vous regarde. Pourquoi vous allez lui faire rien? Oui. Il faut absolument que tu t'occupes du mec bloqué. Ah bloc 1. Non, les yeux fermés. Tu viens m'aider? Les yeux fermés. Alors, j'ai encore un connard ici. Il est endormi, je l'ai mis sous anesthésie. Hein. Ok, je m'en occupe. Ouais. Il a quoi? Je sais pas, moi je l'ai juste mis sous anesthésie. Hein. Ok, attends, je regarde. Ouais. Ouais. Il est en train de crever, je peux le laisser là, je pense. Ah non, pardon, c'est vrai que non. Que... Non, mais c'est vrai que non. C'est mon métier de réparer, c'est vrai. On n'a pas le droit de le laisser là, du coup. On peut pas le laisser là. Attends, regarde, hop. Oh putain, c'est vrai que je suis médecin aussi, moi. Ah, attends, il a une balle dans le... une balle dans la fesse. Encore un. Non, mais... prépare-moi le petit bocal, là, s'il te plaît. Tu sais, mettre la balle. Ouais, ouais, j'ai le petit bécher, regarde, tiens, hop. Hop, le cassoulet, ouais, comme on dit. Voilà. Je vais saisir la balle, attention. Oui. Ouais. Ouais. Hop. Tiling, tiling. Excellent, elle est dans le cassoulet. C'est bon, je vais le mettre là. On peut dire que j'ai mis le faillot dans le cassoulet, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais? Alors, ouais, je vois, mais c'est pas drôle, hein. Si, si, le faillot, c'est la balle, et le cassoulet, c'est le machin, c'est le... J'avais compris. Ouais. Hop, le fil rose et aiguille de 6. Oui, tiens, hop. Merci. Ok. Ouais. Comment il s'appelle là c'est un homme ou une femme? Bah, je sais... En fait, j'ai pas réussi trop à lui enlever son masque. Du coup, je sais pas. Très bien. Vu la corpulence, je dirais un homme quand même. Ouais. Alors t'es en train de dire que les hommes sont gros. Un homme appréciatif. Ah. Ouais. Si tu veux mon avis, hein, si tu veux mon avis, je pense que Peter, il est pas mal chétif lui aussi. Hein. Attends, je vais t'aider un petit coup. Hop. Ouais. Hmm. Voilà. Ah ouais, nickel. Comme ça, je suture l'autre côté, comme ça fait un petit gain de temps. Ok. Mais du coup, Peter est chétif. Hein. Non, Peter, il est chauve. Hein. Et chétif. Rien à voir. Ah non, pardon, non, j'ai Peter confondu avec son métier. Ça. Oui, non, j'avais confondu. Ah. Non, mais oui, c'est... C'est moi. Non, rien à voir, c'est pas le même mot. Voilà. Hop. Excellent. Il est suturé, hein. Voilà. Hop, on le fout en salle de repos, puis voilà, quoi. Tout est bien, qu'il finit bien, hein. Si à son réveil... Non, mais attends, juste si à son réveil, il parle pas, quoi, bah, il restera là pour la nuit, quoi. Ouais. Voilà. Mais là, il est endormi, là. Oui, non, mais là, je comprends. Mais quand il sera réveillé, je te dis. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bien sûr. Allez. Hop.
Ouvre-moi les portes. Bonsoir, messieurs. Excusez-moi, bonsoir. Pardon. Bonsoir. Excusez-moi. Ouais, excusez, j'essaie de passer là, en fait. Hein. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Arrêtez de parler, on n'est pas à l'hôtel ici. Hein. Ouais. Là, je le mets dans le fond de la salle. Hop, sur le lit. On va lui mettre un petit buzzer au cas où. Comme ça, s'il se réveille avant qu'on vienne. Ouais. Hop, il peut appeler. Voilà. Allez. Allez, viens là. J'ai défoncé les cires. Hein. I'm a Barbie girl. Bonsoir, monsieur. Ils sont remontés du coup. Non, 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 non. Putain, mais ils font que de parler ici. Hein. On n'est pas à l'hôtel, les gars. Oui, Tom. Oui, bien sûr. Mande de vous calmer. Hein. Tom, non, j'appelle les shérifs. Si on déménager, ça sera peut-être un hôtel. Hein. Ah, c'est vrai. Oui, Peter. C'est vrai que dernièrement, on a eu un coin de pelouse. Non, mais tu m'énerves, Tom. J'ai fait quoi encore? C'est pas le moment de... J'ai une petite question pour vous, oui. Par contre. Oui. Qu'est-ce que vous foutez là? Bah, j'attends mon shérif. Où qu'il est? Où qu'il est? Bonne question. Ah, c'est bonsoir. Suffi, bleu, bonsoir. Tom Owens. C'est bien moi, oui. T'as pas vu un agent à nous? Bah, si, mais il est parti. Indiana Taylor. Je crois qu'il est parti, je suis pas sûr, attends. Partant. Ah bah attends, oui. Jake, tu t'es occupé du policier? Du shérif? Non, de l'agent de la LSPD. Quel agent? On a perdu un patient, là? Celui qui était en bloc 2 que tu m'as demandé de laisser et tu l'as pris à ma place. C'est pas un agent de la LSPD, c'est un shérif. Ah, bah alors, y'a pas du tout d'agent de la LSPD ici, du coup. Il y'a pas de soucis, sûrement. Ouais, peut-être bien. Pas de soucis. Bah écoutez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Prenez soin. Et le monsieur, là, il est où? Quel ah, monsieur? Ah, il est là, dans la salle, là, il dort. Ah oui, il dort deux jours. Ah, il dort deux jours, d'accord. Ouais, parfait. Ouais, il va dormir deux jours, ouais. Bah on okay, le laisse dormir tranquillement avec les internes. Ah. Voilà. Bon, je suis rassuré, du coup. Parfait, alors, ouais. Bon, et ben du coup, ce qu'on va faire... c'est qu'on va le plonger un petit peu dans le coma artificiel. Hein. Mais pendant voilà, deux jours. On le réveillera tranquillement dans deux jours. Allez. Hop. Et la buenas. Hein. Et la besrouilla, comme on dit chez moi. Hein, la buenas, voilà. Je dirais à Francis de venir s'occuper de lui. Hein. Tu peux venir, comment dire, dans le... Ouais. Dans les vestiaires? Ah non, les vestiaires, c'est pas une bonne idée, hein. Ouais, oui, non, mais je vais voir un truc. Ah, parce que je les ai défoncés, quoi. Ah, je voilà. Les ai démontés, les... Oui. Ah, j'ai foutu un bordel, une piñata. C'est... ah, ouais. Là, il fallait que j'extériorise, tu vois. Ouais, je comprends. Non, c'est la seule. Oula, ouais. D'accord, ok. Non, non. Et ouais, non. T'as tout cassé, hein. C'est compliqué, hein. C'est con. Les portes sont lourdes déjà. Ouais, et puis alors toi aussi. Hein. C'est vrai ça. Oui, alors casse-toi, voilà. Ouais, pardon. Ouais, non, mais attends, viens. Pardon, merci. Non, mais t'es pas lourde, hein, c'était une blague. Fais gaffe, t'as arrêté de marcher. Hein. Ah oui, putain, c'est. Waouh. Excusez-moi. J'ai pas. Oui, non. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez le temps pour faire passer une visite médicale, s'il vous plaît? Ah, alors attends. Bonsoir. Une visite médicale, si possible. Oui, bien sûr. Allez, suivez-moi. Allez, parfait. Très bien, je vous suis. Tu veux venir, Tom Tom? Ouais, je vous suis. Allez. Faites moins de bruit quand vous marchez, s'il vous plaît, dans un hôpital, monsieur. Excusez-moi. Y a pas de problème. Elles sont lourdes, les portes. Ouh là là, oui. Oh, c'est clair. Comme l'autre là, Tom Owens. Gros lourd, ouais. Ce mec. Ouais, t'es ouf. Ça, c'est vrai, ça. Il veut quoi, lui? Quoi? Une visite médicale, c'est vrai. Allez, c'est parti. Oui. La 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 la. C'est assez lourd, hein? Elles sont lourdes, les portes. Elles hein. sont lourdes, ouais. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, on c'est va lourd. Mettre dans quel bureau? Prends le bureau numéro 7. On le met dans celui-là, non? C'est le mien, le bureau. Là, donc ça va. Parfait. Mais tu t'approches mon bureau, en fait, Jean. Alors, je vais vous laisser vous asseoir. Hop, je vais prendre le dossier.
Voilà, c'est bon. Alors, je vais avoir besoin de votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Marius Davis. La porte. Excusez-le. Hein. Vous êtes drôle, je trouve. Voilà. Merci, merci beaucoup. Parfait. Votre date de naissance. Oh, ça remonte à longtemps, ça. C'est plus de 35 ans. Bah attendez, je vous montre ma carte d'identité. Ça voilà, ça sera plus simple. Hein. Ouais. Tant que vous êtes pas un 2008, hein. Écoutez. Pourquoi il y a quoi contre les 2008? Non, rien, vous en faites pas. Ah, okay. Ah oui, quand même, hein. Ah oui, ça remonte à longtemps, je voulais dire. Ouais. Bah les cheveux blancs, c'est pas prêt. Hein. J'ai reparti en dépression. Vous êtes né le 21-05 ou le 05-21? Le 21-05. 21 mai. Mais quoi? Bah, attendez. Je sais parfaitement quel mois est le 5e, hein. Je suis médecin. 21, mais quoi? Il y a un retard sur la date? D'ailleurs, je vais me permettre de manger un petit peu parce que j'ai faim. Allez. D'ailleurs, vous ferez attention parce que sur votre carte d'identité, c'est écrit Marius Davis. Hein. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, encore, ok. Bah, non, vous ferez attention à rien du coup. On connaît un autre Marius aussi. Bon. Alors, on va commencer. C'est vrai? Il s'appelle comment? Marius. Ah oui, c'est vrai. Et on a affaire à un con là. Du coup. Oui. Je vais vous poser des questions, vous me répondez comme ça vous vient, d'accord? D'accord. Première question. Faux. Qu'est-ce que la violence, selon vous? C'est quelque chose de méchant qu'il ne faut pas utiliser. La violence, c'est à utiliser en dernier recours si jamais je me sens offensé. Je préfère parler avant d'agir avec mes poings. Oula, ça part mal, hein. Ok. Arrêtez, je suis stressé. Je suis stressé, là, mon frère, hein, Thomas. Faut que tu me racontes ça. Ok, pouvez-vous expliquer ce qu'est la légitime défense? Bah, c'est tout simplement le fait de se défendre d'une agression, je dirais. Mais de le principe de se défendre. Donc c'est pas engager un premier coup avant la personne. Si ma vie est en danger. Arrêtez de me juger, je vous vois là, le blondinet. Hein. Ok, tout à l'heure, je vous vois sourire et rigoler. Des activités pour vous défouler, j'imagine que non. Bah, si. Ah, bah pas la course, hein, visiblement. Bah, si. La course, à pied? Non, vous parlez aux courses. La marche, d'accord. La marche, d'accord. La marche, souvent. Je pourrais faire mes courses. Ok, ça oui. Ça compte ou pas? Mm-hmm. Non. Ah bah, okay. Attends, si je fais un peu de sport. Selon vous, êtes-vous quelqu'un qui arrive à discerner le bien du mal? Le bien du mal? Oui. Donc non. Sur une personne, sur quoi? Bah, est-ce que vous arrivez à discerner le bien du mal? Bah oui, je sais qu'est-ce qui est quelque chose de bien et de mal, mais... Je sais que... Sauver une mamie qui se fait agresser, c'est bien. D'accord. Par contre, agresser une mamie, c'est mal. D'accord. C'est ça. Est-ce qu'il vous arrive de perdre votre calme? Non. Ah si, une fois, on m'avait volé mon Kinder Surprise. Ah là, j'étais pas content. En plus, moi, je voulais la surprise à l'intérieur. On m'avait volé juste la surprise. Vous vous rendez compte? Ah là, j'étais tout rouge. Non, mais je me rappelle de vous. J'étais tout rouge, mais comme ça. C'est un blond qui vous avait volé le Kinder, non? Oui, exactement ça. Je me souviens de vous. Et il est devant l'hôpital actuellement. Ah, on parlait pas de moi? Bon, on va continuer. Ah, est-ce que vous avez peur de tuer, monsieur? Ah bah oui, ça fait peur de tuer quand même. Vous imaginez, car c'est fou. Tuer quelqu'un, ça fait peur, non? Bah, je sais pas, je suis médecin, genre tue très souvent des gens. Ah, bah, moi, quelle j'ai est peur la de dangerosité tuer. D'une arme, selon vous? Ah, c'est... D'une arme coup de feu ou une arme blanche? D'une arme. Ah bah c'est dangereux, ça peut tuer la vie. Hein. Donc dangereux à 1000%. Tuer la vie. Est-ce l'arme le danger ou la personne qui la détient? Ah la personne. Parce que en soi, si une personne elle n'est pas malade psychologiquement, et bah l'arme elle peut être bien utilisée. Alors que si elle est malade psychologiquement, elle peut être mal utilisée. Donc je dirais que c'est la personne qui est dangereuse.
C'est stressant votre entretien, je tiens à vous dire. Est-ce que vous avez déjà eu des séances de psychologie, monsieur ? Oui. Pourquoi ? Suite à d'affaires récentes. J'ai besoin de plus de précision. Bah en fait, on a ouvert une cellule parce qu'on disait que je bafouillais mes mots. Oui. C'est pas vrai. Si. Et on a... Ah si, parce que j'avais fait un peu des bêtises avant. De quel genre ? De type... voler de l'argent à des gens. Voilà. Mais c'est pour ça que... Je vais pas j'ai pris ça, c'est entre nous. Hein. On va revenir à la question précédente. Discernez-vous le bien du mal ? Bah oui, justement. Mais en fait... Il a appris même... ses erreurs, monsieur, voilà. Ça se voit. Et vous savez que j'ai déjà passé ma visite médicale, mais là, je le repasse pour revoir parce si je réussis bien. Pas eu. Si, si, je l'avais eu. Mais selon vous, après la parole, quelle est la meilleure arme ? La parole. Après la parole ? La parole. Oui, mais après la parole. Bah, on reparle encore. On essaye de discerner au maximum. D'accord, et si la personne en face de vous prend les muettes ? Après la parole, c'est quoi la meilleure arme ? Le langage des signes, c'est les muettes. Le langage corporel, donc. Oui, voilà. C'est ce que je voulais dire. Parce que, vous voyez, j'ai du mal à m'expliquer. Jake, tu m'entends ? Oui, affirmatif. Dis-moi, à la question, selon vous, après la parole, quelle est la meilleure arme ? Attends. Le langage corporel, t'avais déjà fait ? Non. Attends. Quelque part, hein, parce que là... Ouais. Par exemple. Attends, en vrai, ça peut être ambigu. Plus de détails sur le langage corporel. Parce qu'il y en a, ils utilisent le langage corporel, pardon, pour frapper. Vous voyez, donc ça, c'est... Non, moi, je fais des pouces en l'air. Et vous voyez, je fais pas de coups de pied ou de trucs comme ça. Moi, je suis gentil. Ou tu vois, comme ça, je parle comme ça, tu vois. Avec les bras. Si je suis croisé, c'est que ça veut dire que je comprends pas. Il faut me gratter le cou et me dire, oh, mais tiens. Mais attends, mais qu'est-ce que le monsieur me demande, tiens ? Vous avez compris ? J'ai rien compris, mais c'est pas grave, on va continuer parce que j'ai pas le temps. Ah, ok. Avez-vous déjà assisté à une prise d'otage ? À une prise d'otage ? Bah oui, tout à l'heure. Tout à l'heure, mon patron s'est fait braquer. À son entreprise. Et il y avait la police devant moi et j'ai reculé parce que j'avais peur. Donc comment vous l'avez vécu ? Vous avez eu peur, c'est ça ? Ouais, j'ai eu peur. Bah bien sûr. Les hommes, ils avaient des machettes, des gros machettes, là. Très bien. Donc, je vais vous donner des mises en situation. Vous me répondez ce que vous feriez, d'accord ? Oui. Vous rentrez chez vous à l'improviste, pour n'importe quelle raison. Hein. Vous finissez le travail plus tôt, etc. Mmh. Et quand vous rentrez, vous surprenez votre partenaire au lit en plein acte d'infidélité. Oh, vous avez mais... votre arme sur vous. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, j'ai un problème, j'ai pas de partenaire. Donc, on va faire semblant que j'en ai une. Et Oui. J'ai mon arme sur moi. Oui. Et bah ce qui serait mal, c'est de tirer sur la personne. Et ce qui serait bien, c'est de ne rien faire. Mais et de laisser couler et de rester calme. Je resterai calme. Et je courrai dans ma voiture et je m'enfuirai. Je dirai à la femme, hors de ma vue. Voilà. Très bien. Vous effectuez une marche de nuit, armée de votre arme du coup. Hein, mm-hmm. Et vous tombez face à une personne très agressive qui commence à s'en prendre à vous. La personne prend plusieurs coups, okay. D'accord. Vous essayez de vous défendre, mais en fait l'homme en face est bien plus fort que vous. Il continue à vous rouer de coups, bien que vous soyez déjà à terre. Quand l'homme est défendre. Ouais, excusez-moi. Allez-y, continuez. Bah comment vous vous défendez du coup ? Vous avez l'arme sur vous, hein ? Et j'ai le droit d'utiliser ? Mais j'en sais rien. Répondez-moi ce que vous feriez vous dans cette situation. Ah bah je sortirai l'arme pour dissuader. Mais je pense, si la personne court quand je sors mon arme, tant mieux. Sinon, je pense pas que je tirerai. Parce que d'accord. J'ai pas trop envie de tirer sur quelqu'un. Vraiment d'accord. Pour dissuader. Ok, et enfin, vous marchez dans votre quartier. Vous voyez un homme qui arrache le sac d'une femme âgée, hein, qui vient de sortir d'une banque, d'accord ? Et il se met à courir. Vous êtes avec un de vos amis. Attends, il est armé. La personne, elle est armée ? Je l'ai pas précisé. Okay, d'accord. Mais il commence à courir. Donc vous êtes avec un de vos amis qui n'est pas armé. Vous, par contre, vous êtes armé. Qu'est-ce que vous faites ? Je lui cours après. Et comme j'ai fait beaucoup de marches dans ma vie, je cours plus vite que lui. Je le rattrape et je le plaque au sol.
sans utiliser mon arme. Voilà. Mmh. D'accord. Excellent. Alors, on va délibérer. Allez-y. Bon, qu'est-ce que... Tom, qu'est-ce que t'en penses, là? Parce que... Un peu, voilà, quoi. Je pense qu'il est violent et que et psychologiquement, je vais devoir m'en occuper parce qu'il est un peu malade, je pense. Il a du mal à se contrôler un peu, non? Ouais, voilà. Puis il bégaye un peu aussi. Il bafouille un peu les mots, ouais. Il bafouille, ouais. Et puis... Je sais pas si c'est une bonne idée de le valider, celui-là. Non, non. Puis en plus, il t'a dit, genre, moi, mon arme, c'est comme... Enfin, tu vois, il veut l'utiliser, il pense qu'à l'arme, en fait. Genre, est-ce que je peux utiliser mon arme tout le temps, il te demande. Après, en soi, sur la dernière, tu vois, il a pas répondu pire que ton frère, quoi. Il a répondu comme mon frère. Ton frère, la dernière question, il a dit, bah, je suis à la fois témoin et aussi suspect. Ah, c'est lui. Oui. Ouais. Non, je vais le valider, hein. Ouais, valide, ouais. Bon, allez, je vous valide. Ouais. Vous avez de la chance, hein, je suis de bonne humeur. Enfin, je suis pas de bonne humeur, mais je me suis défoulé juste avant. Je vous remercie. Ça a de la chance. Bon, voilà. C'est bon, c'est publié. Alors, je vais vous faire la petite facture, du coup. Ah, super. Le moment redouté. Bah, pourquoi vous écartez, monsieur? Bah, je veux pas la payer. Bah, quand même. Tiens, c'est rigolo, ça n'a pas fonctionné. Excellent. Ah, mince. Ça... Malchance. Non, non, mais attends, ça a vraiment pas fonctionné. Attendez. Ah, ok. Est-ce que vous voyez, monsieur, la première lettre qu'il y a sur le tableau en face de moi? La première du haut ou du bas? Du haut. E. C'est ça. Bien joué. Bah, j'ai des lunettes. Bien joué, non, mais bien joué. Merci. Je testais un truc. Ok, je vous fais la petite facture. Allez-y. Ça a fonctionné, c'est bon, hein? Ah, super. Vous passez ça pour passer le PPA, par exemple? Oui, justement. L'objectif. D'accord. C'est pour ça auprès que je repasse. Auprès des shérifs ou auprès de la police? Bon, j'avais contacté les shérifs parce que c'était le premier à avoir envoyé. Ah, d'accord, merci. J'ai reçu une facture. Parfait, bon, ça leur est directement envoyé, hein, donc voilà, pas d'inquiétude. Parfait, je vous mets la facture. Ouais. Ça marche le par téléphone? Oui, le sans contact, oui, c'est parfait. Ah, parfait. Le smart pay, oui. Mmh. C'est bon, c'est payé. Eh ben parfait. Allez, je vous remercie. Bah écoutez, il n'y a aucun problème, hein. Un plaisir, hein. C'est vrai? Bah moi aussi, c'est un peu un plaisir. Parlez moins fort, s'il vous plaît, on a des patients dans les salles. Après, j'ai cru comprendre que vous aimez bien les Kinder Surprise. J'adore ça. Le chocolat en lui-même? Non, parce que moi j'aime bien amputer les gens, mais en général, ils aiment pas trop. J'aime que la surprise. Ah. Bah ça c'est bah acheter les jouets. J'ai pas voulu, j'ai ouvert la porte, hein. J'ai ouvert la porte. Eh, dommage. Mm-mm. Dommage. Bon, c'est pas trop ennuyant ce métier? Vous avez du travail un peu? Oh, ça va. Ça va? Non, bah, toi non. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, agréable monsieur. Soirée. Non, mais au revoir. Est-ce que c'est un agent immobilier, monsieur? Pourquoi? Une question. Non. C'est le costume, Jake, c'est ça? Oui. Oui, non, mais non. Donc j'ai pas le droit de m'habiller classement sans être un agent immobilier. J'arrive, je fais un dossier. Hein. Bon, j'ai dit classement, oui. Classement, oui. Classement. Hop, dans sa gueule. J'ai pas fait exprès. Hein. J'ai quand même frappé le directeur. Allez. Ouais, j'ai pas le temps. Oh, les pauvres. Est-ce que ça va aller, monsieur le directeur? J'ai absolument aucune force. Hein, donc... Il est mal. Et bon, voilà. Toujours plus. Hein. MMS gang. Hein. Faut soigner le mal par le mal. En fait. Bon, je vais vous laisser. Bonne soirée. Bonne soirée. N'hésitez pas à repasser. Hein. Désolé. Je sens en bout, Tom. De quoi? Je sens en bout. Je sens ton bout. Tu sens mon bout. Je te sens en bout, pardon. Je me sens bien, là.
Je me sens rire. Je te sens rire. Est-ce que je te sens joie et rire? Je me sens Tom. Est-ce que tu te sens Jake? Je me sens chaise 2008. Oh, comme elle là-bas, là? Comme elle, ouais. Moi, je me sens Tom. Tu sens cette énergie qui passe entre nous, là? Est-ce que tu la sens? Oh, oui. Il y a une tension. Oui, il y a une grosse dose d'énergie qui passe entre nous. Là. T'as Shannon, tu devrais voir ça. Il y a une grosse tension qui passe entre moi et Jack là. C'est fabuleux quoi. Grosse tension là. Grosse tension artérielle. Ça te dérange pas si je me rapproche? Non, ça me dérange un peu. Tu sens un peu les pieds. Non, c'est pas moi, c'est le mec de tout à l'heure. Ouais, mais t'as l'odeur qui est imprégnée sur toi. Au fait, tu m'as pas dit, mais tu me trouves pas un peu changé? Ouais, t'as un peu changé. T'es J'ai cheveux. Un peu changé, ouais. Hein? On dirait que... Ouais, t'as changé, quoi. J'ai une mèche. T'as une mèche comme Titeuf? Non, j'ai une mèche comme Justin Bieber. Comme quoi? Justin Bieber. Oh yeah, Justin Bieber. Justin Bieber. Tu vas te mettre à fumer des joints et à faire de la merde. Tu dis plus jamais ça de Justin Bieber, toi. Avec ton Nirvana, là. Bah quoi, Nirvana? Bah quoi, toi? Smell like teen spirit. Yes, Sum 31. Pouf. Aïe, aïe, aïe. Enlève-moi ça tout de suite. Oh! Mais c'est... Attends, c'est excellent. Viens, on se fait passer pour des rockstars. Vas-y. Toi t'es Kurt et moi je suis Bieber. Oh no. Attends, faut voir avec mes chaussures du coup. On va faire un feat. Hop là, là je suis Kurt Cobain. Ça sent mauvais, hein. Ça sent mauvais, très mauvais, hein. Tant que ça. Ah, je commence à me dire qu'il n'y a pas que le patient qui sentait des pieds, hein. Ouf, oh mais ça... Viens avec moi. Ça affuble, hein. Allez, viens. Je viens avec toi. Où? Prends une photo. Non, non. Ah oui, attends. Tu prends la photo? Prends la photo. De quoi? Bah, prends la photo. T'as dit, tu viens, on prend une photo. De quoi? Oula, c'est long, hein. C'est long et lui... Je comprends pas, je comprends pas. Moi, t'as dit, viens, on fait une photo. Tu me stresses, hein. Tu me stresses. Tu sais que Peter, il aime pas ça, là. Bah, tu viens de les ranger. Je viens de ranger mes quoi? Tes pieds. Je les ai mis où? Je les ai rangés où? Dans tes chaussures. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que ça marche, ok, je vais voir. Ouais. Ouais. Attends, viens avec moi, faut que je vois un truc. Cortana, ouvre les portes. Merci. Cortana. Dis Siri. Oui. Ouvre la porte. Oui. Je regrette. Je n'ai rien pu trouver dans votre demi. Ah oui, d'accord. Ah c'est bon, il fait un gros dodo. En fait, si tu veux, on a un connard là qui dort deux jours de suite. Là. Connard. Ouais, ouais. Il est où, il est là? On est à Paléto, Shannon. Oh ah, si, on est parti en hélico. Enfin, on est en direction de Paléto, en fait. Non, je fais le bruitage de l'hélicoptère. On se pose là, Janon. Je descends de l'hélicoptère. Mince, j'ai loupé la marche. Ouais. Je vois. Oula, oui, il s'envole, ça y est. Mais du coup, racontez-moi. Pardon. Le PPA de Luc. Mais... Bah, il était à la fois victime et suspect, quoi. Un sacré suspect. C'était à quelle question, ça? À la dernière. Mais c'est quoi la dernière question? Je sais pas. Bah, tu vois un mec prendre le sac d'une petite vieille. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Et lui, il a répondu bah, je suis à la Attends, fois. Il a quitté témoin Lucien. Et suspect. Oui, Lucien, il est parti, il a racheté le Weasel New, je l'ai vu tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de le virer. Bah, ouais, il est parti, ouais. Oh putain, un connard de moi. Par contre, on était que trois ce soir. Là, il est de l'hôpital, c'est pas foufou. Hein. De quoi? Ouais, en fait, les flics étaient venus me voir un soir.
parce qu'il y avait quelqu'un qui avait du matériel médical sur lui. Mais il y avait une enquête en cours, hein. Il devait être viré en fait. Ah, d'accord, ok. Bah ouais, bah c'était lui du coup. Pas le temps de le virer. Par contre, il faudrait sérieusement penser à recruter là. Ouais, faut penser à recruter les gars. Ouais. C'est toi le dirlo, hein. C'est pas nous. Hein. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, Jack, tu me dois 18 000 balles. Hein. N'importe quoi. Bah si, parce que j'ai commandé les kits. Non, t'as été remboursé par Serena. C'est faux, hein. Si, c'est complètement vrai. Hein. Elle se râle. C'est que comme j'ai payé cette semaine... Arrête de manger. Hein. En fait, j'ai très faim. Hein. Mais qu'en fait, la dernière, t'avais déjà payé, mais que t'étais pas allé chercher les kits. La semaine prochaine, on n'a pas à payer les kits. Ouais, je sais, c'est des petits bâtards. Hein. Ouais, ouais, ouais. Encore et apparemment, ça va changer de propriétaire. Hein. Tant mieux, c'est un gros chien, l'autre. Ouais, de ouf. Allô. D'accord. Mais c'est comme, tu sais, c'était Jean Farès, là. Oh, je l'aimais pas, lui. Oh non, c'est un chien. Voilà, un gros chien, ouais. C'est ça. Juste, moi, je veux qu'on m'explique pourquoi, à chaque fois qu'il y en a un qui te trouve joli, il faut qu'il vienne me le dire, genre. Je m'en bats les couilles, moi. Genre. Comment ça? Bah, en fait, tout à l'heure, il y a un mec qui a trouvé Shannon joli, tu vois. Il est venu moi, il me fait, eh, ça s'appelle comment votre collègue? Bah, je lui dis, tu vois, je dis Shannon. Il me fait, ah, elle est méga jolie et tout. J'ai fait, mais que j'en ai à foutre, moi. Mais c'est qui? C'était qui? Je sais pas, s'il est habillé en vert. Bizarre, oh, d'accord. Ouais, c'est particulier. Et pareil pour toi, Jake. C'est le fantôme de Jean Farès, je crois. Ben, tout à l'heure, il y a quelqu'un de la BCSO qui est venu, qui m'a dit, ah, il s'appelle comment votre collègue? Je lui ai dit Jake. Il m'a dit, ah, c'est pas une femme? Je lui ai dit non. Il m'a dit, ah, ben, elle est quand même jolie. Je lui ai dit que j'en ai à foutre. Je suis profondément blessé, là. Ouais. Ben, faut que t'ailles voir la BCSO, pour le coup. Hein. Moi, j'ai rien fait, j'ai rien dit, hein. J'étais avec eux tout à l'heure, donc... Ouais, non, mais pff, ça va, j'ai... C'est vrai, ça, il m'a appris que t'avais fait un petit stage. Ouais, en fait, je me suis immiscé en tant qu'agent de la BCSO. J'ai même matriculé, toi. Waouh. Ah ouais, tu t'es bien infiltré, là. Je suis colonel. Après, est-ce que c'est vraiment smart de partir en formation quand tu vraiment c'est l'urgence à l'hôpital? Je sais pas. Hein. En fait, au départ, c'était pas une formation, hein. C'était... Il y a eu un accident là, j'ai entendu. Hein. Comme travail. Hein. Comment ça travaille? T'es pas en pause toi? Non, ça va là. Tom Owens, je vais en pause là. Ouais. Bah, je vais faire pareil, je vais aller en pause. Est-ce que quelqu'un peut me déposer à ma moto? Est-ce que tu peux enlever ton haut s'il te plaît? Je vais me changer surtout. Moi aussi, je vais me changer. Je vais me changer, moi. Ça vous dérange pas si on va tous les trois dans le même vestiaire? Ah bah, Jack, ne regarde pas l'état des vestiaires. J'ai foutu un peu le bordel, ouais. Ah, pas quoi? J'ai foutu un peu le bordel, je me suis un peu vénère, mais ça m'a défoulé, hein. Par contre, c'est la merde, quoi. Faire venir l'architecte, il doit refaire les logos. Ouais, surtout, ouais, là, c'est le pire, là. C'est, ouais. Attends, t'as craché sur les murs, là? Non, non. Non, ça y était déjà. Ah, ok. Ouais. Ça, c'est pas moi. Hein, Ah, c'est sympa, ça. C'est... Ouais, ouais c'est moi. Agréable. Hein. Oh non, je vais remettre du noir. M'attendez? T'es sérieux là? Tu me pousses toi? Elle est en bas de la voiture. Pardon. Excuse-moi. C'est moi, c'est... Non, mais là, non. J'ai eu une surcharge d'émotion, quoi. Je l'aime bien, cette petite voiture. Elle est un peu cassée à l'arrière. D'accord, donc tu me prends ma place. Ouais, c'est Serena. Mais va devant, ça va. Ah, j'en ai marre. Pff, oh, vous me saoulez. Hein. Bien qu'on va se prendre un verre, là. Ah, dites, y aller. Ah, bah non. Je sais pas si vous êtes invité. Vous connaissez les motards? Non. Vous connaissez pas les motards?
Si, on les connaît. Les mecs avec des cuirs, là. Ils m'ont invité dans leur bar, là. On peut y aller, peut-être. Il y a des gens, peut-être. Vas-y. Ah, bah, allons voir. Hein. On y va directement, là, ou... Bah, c'est... comment ça s'appelle, hein? C'est à Paletto, je crois. Hein. À Sandy Chaurès? Non, c'est à Paletto, je crois bien. C'est à Paletto? Bah, faut aller je voir. Sais pas, en fait. J'en sais rien. Quel est le numéro Paletto, de je crois, monsieur non. John Dawson, hein. Parce que moi, je l'ai pas. Dawson, parce que du coup, il m'a proposé, en fait, mais... j'ai pas son numéro. Sinon, je peux envoyer un petit message, tu sais. Allez. Bah, j'ai pas son numéro. Ah. Comment ça allait à Paletto, là? Peut-être qu'on... Ok, je vais à Paletto, là. Peut-être que c'est ouvert, ouais. Après, il me dit... C'est c'est pas pour tout le monde, c'est que pour les gens qu'on invite. Ah, bon, on n'est pas invité, nous. Vous êtes pas invité, il y a comme moi. Moi, j'aime bien. Ah ouais, ouais. Bon, bah donc, du coup, Tom, t'es pas invité. Une fois, j'ai fait une coloscopie avec un serpent. Bah, attendez, je sors. Je sors de la voiture maintenant. Non, ça pas. D'accord. Je suis pas invité, de toute façon, je vais pas rentrer. Ah mais là ça aurait été cool qu'on puisse t'amputer si tu sortais quoi. Enfin bon. Ça va après de toute façon. Voilà la vraie question Shannon, c'est pourquoi tu me pourris la vie tout le temps. Mais écoute, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense que tu te sens un peu comme un suspect. Et vous savez qu'un jour j'ai eu un patient comme ci comme ça, je savais pas ce que je devais faire. Hein. C'est vrai que le mec à qui j'ai fait passer le PPA... la question après la parole, quelle est votre meilleure arme quoi. On m'a sorti le langage corporel quoi. Ouais, sauf que juste avant, il a quand même lancé hein, bah, la parole. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. On n'en parle pas assez, ça. Après cette nuit, je me suis fait chier, j'ai repeint le coup. Mon bureau, je l'ai repeint. Ouais. Vous avez pas faim, vous? Moi, j'ai faim. Moi, je me faisais un peu chier. J'ai regardé des vidéos, moi, cette nuit. T'as regardé quoi comme vidéo? J'ai regardé des gameplays du jeu vidéo, là. Tu sais, le FPS, là, avec des pouvoirs, là. Ouais, Valorant, voilà, c'est ça. Ah, ouais. Oui, oui. Voilà, j'ai mis ça. Toute la nuit, hein. Toute c'est la bien, fucking... Ouais. C'est vrai. Ouais. Pas la chance. Puis après, je me suis demandé si j'avais peut-être pas envie de refaire nos papiers, tu sais. Mes papiers. Ouais, tu sais, refaire nos documents, quoi. Nos documents. Entre, ce qu'il y a dans le meuble dans ton bureau. Et on voit. Non. Ah, c'est un joli rhume, ça. Hein. Faut soigner ça. Hein. Comme d'hab, y'a personne. Y'a personne, non. C'est... C'est le désert, le pop, ça. Est-ce qu'on pourrait m'amputer le nez, s'il vous plaît? Parce que je me sens pas bien, je vais éternuer. Moi, je vote pour. Je vote également pour. Shannon, j'ai une devinette pour toi. J'écoute. Attention, elle est dure. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron? Putain, elle est forte, cette conne. Ah ouais, bah ça. Moi, je pense plus qu'il est derrière. Derrière, hein? Non, pas là derrière, mais dans la rue adjacente, quoi. C'est ce que je me dis en tout cas. Non, mais je peux... non, c'est là. Hein, mais... Ah, c'est là? D'accord, mais il y a personne. Oui, du parce coup. Qu'ils m'ont parlé d'un mécanicien et tout, mais bah non, il y a personne du coup, ils sont pas là. Ouais. On est monté pour Emma. J'ai envie de me prendre. De quoi? Hein? J'ai rien dit. Hein. La fourchette là. Ouais. 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 Fourchette, la fourchette. La fourchette. Tu peux me ramener là, il faut que je me déconnecte. Je me saoule. En plus, moi c'est marrant parce que
Tu sais que ce matin, je me suis dit que j'étais perdue. Parce que, en fait, je me suis égarée, quoi. Moi, je suis allé faire les courses ce matin, j'ai pris un plaidi. Ouais. C'était pas mal les courses, ça va ? Ouais, c'était pas mal. Après, tu es allé vers quelle heure aux courses ? Je sais pas pourquoi. T'avais mangé avant d'aller aux courses ? Non. Ah, donc t'as pas pris le temps de digester, quoi. Ouais, non, j'ai pas pris le temps de digester. J'ai soif. Tu veux que je te réveille ? Jake, oui. Est-ce que je peux me permettre un léger commentaire sur ta personne ? Ouais. Formidable. Je suis formidable, tu étais formidable. C'est vrai que toi t'es plutôt formidable. Ouais. Toi tu me pourris la vie, Chad. Je trouve que c'est un bon médecin quand même. Là, que je suis un bon infirmier. D'ailleurs, ma prévention c'est pour quand là ? Parce que j'en ai un peu marre. C'est vrai que tu travailles dur quand même. Pas aussi dur que d'autres, mais dur quand même. Ah, disons que je suis plus là que certaines personnes, quoi, si je peux me permettre. T'es dur, C'est vrai que t'es plus là que certaines personnes. Ouais. Ça, c'est bien vrai, ça. Genre qui ? J'ai pas forcément de nom, mais Luc, par exemple, il est jamais là, lui. Hein. Après, bon, après, faut le pardonner. Faut le pardonner, il est plus... Parce qu'il travaille pas à l'hôpital. Enfin, il... Non, non, mais lui, il est témoin et suspect en même temps, donc c'est compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Je suis témoin et suspect. Bah, je suis témoin et suspect. C'est compliqué comme question, parce que là, pour l'instant, je suis quand même suspect. Possible. T'es en train de te foutre de la gueule de mon frère, là, Chanel ? Je suis là, et que la police arrive, ben, ils vont penser que je suis suspect. Conduis, Jack, s'il te plaît. Ok. Un petit billard, là. Le dernier appel, là. Pouf. Est-ce que je vais le faire ? Ah bah, je peux plus. Il était refusé automatiquement. Oh, j'adore. Jake ? Oui. Ralenti. Il est trop bizarre, Jake, quand tu lui dis un truc, il fait l'inverse. Regarde. Jake ? Accélère. Arrête-toi. Trop bizarre, trop bizarre. C'est... Ah, on a un appel à l'océan Pacifique. Bah c'est pas loin, attends. Ouh là là. Ah, moi je pense que c'est sur la jetée. C'est en dessous ou au-dessus ? En dessous. Bonsoir, on a besoin de vous à Palais-Toba, nique ta mère. Hein. Bah on désolé, y était, on a vu personne. Moi je remonte pas. Ça va maintenant. Moi j'ai des choses qui remontent, mais je dirais pas c'est quoi. Ils ont qu'à ouvrir un hôpital de fortune à Palais. Non, c'est vrai. Comment ça bien fermé la vache. Après, même si on trouve un patient, là, on est ni en tenue, ni en. Après, c'est vrai qu'on a quand même le directeur là. Fais gaffe, tu roules dans la fête foraine. Est-ce qu'il serait pas en dessous ? Il est en dessous, je pense. Il est sûrement en dessous. Hein. Faut aller regarder en dessous, je pense. On va regarder en dessous. Hein. Après, moi, je suis la seule personne à avoir des gants, là, je crois. Jake, fais les pimpons avec... Ouais, attends, je vais y aller à pied. Ouais, ouais, voilà. Là, si tu passes là, je pense que ça passe. Ouais. Et tu peux y aller, c'est une 4 roues motrices, je pense. Eh hey bébé, t'as un 06 ? J'ai pas de 06. Hein. T'avais un 07 ? C'est là, vous croyez ? Non, c'est à gauche. Je vais voir à gauche. C'est sous le ponton. Où le soleil est trop pique. Il faut l'éclairer un peu la chaîne parce qu'elle va rien voir sinon. Je vois rien. Là, il fait noir, c'est normal.
Je le vois à gauche. Là, il est là à gauche. Shannon vers l'eau quasiment. Ouais. Sinon, elle cherche une ambiance, non? Oula, qu'est-ce que. Ouais, waouh, ah oui. C'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un homme. Mais c'est qui? Oh, Tupac. C'est la merde, hein. C'est Tupac, non? Attends, on l'a enfin retrouvé après 20 ans? 30. Alors, attends, je vais essayer. Attends, je vais lui faire un petit massage cardiaque, peut-être qu'il a, il a bu un peu d'eau. Hop. Ta piste au sang, hein. Je sais ce que t'as fait, mais... Ah ouais, non, j'ai... Oh, merde. Ah, il faut, ah le... bon. Il faut l'emmener, là. Il faut transporter d'urgence, hein. Et ça, c'est médecin, hein. Ça. Non, bah ça va, j'ai pas fait exprès. Hein. Oh, putain. Ah, oh, je suis dé... Ah, bah, bah, j'ai pas choisi, hein. Mettez-le dans le coffre. Hop. Non. C'est bon, hein, vous pouvez y aller. C'est pas très confort, mais ça va le faire. Eh oh, on m'entend. Eh oh, les wagons. Oui. Ça secoue. T'inquiète pas, c'est une quatre roues motrices. Tom, occupe-toi quand même de lui parce qu'il est en train d'en foutre partout sur les sièges. Je peux pas, je suis assis à l'avant. Voilà, change de place éventuellement. De quoi je te dégoûte? Qui dégoûte? Ah, t'es là toi? C'est lui qui met des gouttes partout, c'est pas moi. Hein. Bah. Des gouttes là. Hein. Shannon, prête pas ta chemise s'il te plaît. Bah, je veux bien, mais c'est mou. Et c'est pour faire un garrot. Mais j'ai un garrot. Bah, donne-le-moi. À l'hôpital. Garrot? Oh là là. Céline Dion? Non, c'est garrot ça, c'est pas garrot. Britney Spears? Britney. Putain, le Gump était en balade et il faut que, ouais, qu'il y ait encore une fois une horrible chose qui se produise. Comme par hasard. C'était à droite. Hein. C'était carrément à droite en fait. Laisse le directeur faire comme il veut. Pas vrai ça. Mais c'est bon toi. Quelque chose à dire. En train de me pourrir la vie. Faut augmenter la chaîne. De quoi? Vas-y, ça suce des boules pour avoir plus de sous, quoi, ça. J'ai rien fait. Je dis ce que je pense, c'est tout. J'ai pas dit de descendre, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a fait peur. Allez, on y va. Je peux pas sortir, vous pouvez m'aider à sortir? Je peux pas sortir. Attends. C'est pas grave, on vient te rechercher après. Ah, c'est bon. Allez. J'ai perdu une portière, le directeur. On va la mettre comme ça. Tu pourras pas le porter dans l'ascenseur. Oui. Non, t'es sûr, hein? Si. En fait, ça me répond toujours mal dans cet hôpital de merde, là. Ça me casse les couilles. Chier. C'est bon, tu l'as, hein, c'est bon. Bon, tout ça, je donne juste des conseils, en fait, et on me chie à la gueule, quoi. C'est... Waouh. Voilà. Hop. Tiens, j'avais dit quoi. Alors, je vais vite le poser. Ah, c'est lourd. Ça y est, c'est lourd. Voilà. Hop. Allez. C'était lourd. Merci. En tenue. C'est qui court là partout? Là, il y a un gars qui vient de sortir du bureau là. Et qui vient d'aller. Ah, ok. Il y a un mec qui dit. Ah, bah ouais, c'est pas comme ça.
Je vois. Ça va, Tom? Ça va et toi? Oh, tu m'as snob ou quoi? Non, non, je viens de dire ça va et toi. Ah ouais, je sais pas, j'ai l'impression que tu me snob. Non, je suis un peu linéaire. Pourquoi? Il est mort. Ah, je suis lourd apparemment. Il est mort? Viens, on va parler. Là. Non, t'inquiète. Attends, je me fume une clope. Qui c'est qui a dit qu'il est mort? Ah non, c'est bon, il est mort. Non, c'est mort. D'accord, c'est... Qui c'est qui a dit que t'étais lourd du coup? C'est un prank. Tout va bien, il est pas mort. Une femme un peu merde. Comment ça, oh merde? C'est notre métier de sauver des vies. Ouais. Non mais c'est pas toi qui est lourd, Tom, c'est les portes. J'ai dit c'est lourd. Ah, t'as dit t'es lourd. Non, j'ai dit c'est lourd. T'as dit c'est lourd. Faut apprendre à écouter, je commence à en avoir plein le cul que personne m'écoute hein, aujourd'hui. Hein. C'est vraiment la journée de merde. Elle est où, Shannon? Ah, la belle journée de merde. Elle vous a raté de vous disputer, là. Attends, je vais lui montrer c'est qui le mal alpha. Eh oh! Tu vois l'appel qu'on reçoit là, tu vois la notification là? Ouais. Elle commence à me saouler, hein? Ah ouais, mais casse les couilles. C'est toujours la même, hein? C'est vous? Ah, pas les tours. Ouais, ça fait loin. Hein. Non, c'est trop loin. Ah, mais attends, Shannon, je vais aller chercher notre jet supersonique qui peut aller, tu sais, à 2000 à l'heure là. Viens. Ouais, vas-y. Comme ça, ouais, parce qu'on faut qu'on fasse quelque chose, hein, le pauvre. Ah non, moi j'en ai rien à foutre, moi. Je travaille pas à Paléto. Ils ont pas ouvert oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est vrai, c'est ça. C'est bon. J'en ai vraiment. Mais rien à foutre. Elle est où, Shannon? Je suis pas là, moi, je suis jamais là, de toute façon. Comme ça, c'est vu. Bon, je vais voir comment il va, l'autre. Elle est même pas venue ce soir. Hein. Ça, Shannon? Non, c'est une vanne. C'est une vanne. Parce que l'autre coup, elle a fait un tir au billard et puis quelqu'un a demandé ensuite si elle avait joué. Puis elle a dit bah oui, mais personne ne me voit jamais. Et puis depuis, ça part. À chaque fois qu'on dit ça, voilà quoi. Qui c'est qui a dit ça? Un pote à nous. Enfin, plus mon frère que mon pote pour le coup, pour moi, mais. Luc? Ouais. Bah, c'est ton frère du coup. Oui, je viens de te le dire. Plus mon frère que mon pote pour le coup. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon bah ça marche, bon bah c'est pas trop de boulot moi ce soir, hein. C'est plutôt calme. Hein. C'est vrai? Ouais. T'as ta voiture là? Ouais, c'est ma voiture. Oh, rends-moi un service et emmène-moi à la fourrière s'il te plaît. Vas-y si tu veux. Putain, j'ai encore ce colis Amazon à livrer là. Ah. La propriétaire elle me répond pas. Bah ce que tu fais, tu défonces la porte et tu y vas tu vois. Je défonce qui? La porte? Ouais, la porte. Ouais. Ah oui, d'accord. Je croyais que tu me disais qu'il fallait que je défonce la propriétaire. Bon, tu peux, si elle répond pas, voilà quoi, c'est qu'on en a plus rien à foutre. Hein. Ouais. On va faire ça. Putain, j'ai mal à la tête là. Et voilà mon pote. Putain, merci, tu gères. Comment je te dois? Rien de tout. Oh, c'est bien ça. Ouais, à plus tard, yo. Ouais, défonce la porte, hein. Ouais, t'inquiète. Thank you.
Bon, bah, je vais aller faire le sale boulot. Hein. C'est quoi le sale boulot? Allez, à Paletto. Ah. J'arrive, mon pépère. Et viens, mon pipi. Oh oui, bah tiens, ça, il vient direct, hein. Oui, mon pépère. Mon pépère. Tu viens avec toi? Oh, si tu veux. Hein. Allez. Après, on ira chercher ta moto. Ouais. Je me suis allé chercher ma voiture. Comment tu y allais? C'est Snoop qui m'a emmené. Ah, d'accord. Non, là, je peux... Il est reparti, du coup? Ouais, il avait des trucs à faire, il avait un colis. Je peux plus, hein. D'accord, mais... Je dirais que ça va plus vite, hein. Jack, on part sur Paletto du coup parce que c'est chiant, hein. Oula, et oh, oh. Qu'est-ce que ça fait? C'est la voiture, j'ai mis des suspensions hydrauliques. Je viens avec vous, wesh. Prends le deuxième 4x4 alors. Non, mais parti comme un voleur. Hein. Ah oui. Moi je t'aime, Jake. Ouais, je retiens. Tu veux qu'on fasse demi-tour? Surtout, me réponds pas, hein. Je suis pas vexé du tout. Hein. C'est moi qui est vexé. Hein. Non, c'est moi qui suis vexé. Hein. Non, c'est... Il est vraiment gentil, Snoop. Je l'aime bien, ce mec. C'est ouais. Quelqu'un de cylindrique, tu vois. Genre, il tourne rond, lui. Ouais, alors par contre, c'est pas vraiment, comment dire... Tu vois, ça, typiquement, cylindrique, c'est l'expression que t'as avec Tyrone, tu vois. Ouais. Et les deux, ils s'aiment pas du tout, tu vois. Ouais, je sais. Après, je lui ai demandé pour le mec, tu sais, parce que c'était un mec de chez lui, avec le violet, là, tout à l'heure, tu sais. Ouais, mm-hmm. Bah en fait le violet a voulu chlasser Snoop en fait. Ah oui d'accord, ok. Donc bah voilà. Donc c'était le mec. Lourd, très très lourd. Okay. Le Paletto Bell. Hein. Ah ouais c'est chiant, hein. Ouais, c'est loin. Hein. Au moins 7 ou 8 hein, qu'il y a eu d'appel. Hein. C'est loin. C'est très loin. J'ai oublié de prendre des bandages. Moi aussi. Mettrai un bandage spécial par balle. Parce qu'ils vont se faire ramener par les internes. Oh, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que j'y vais vraiment? Eh, hey, mais... Oh! C'est bon, oui? Y'a pas besoin, hein. Fais oh, le c'est... C'est pourquoi? Mais attends, ils sont encore là-bas, on va y aller. Mais non, mais c'est une blague, c'est chez le shérif. Quoi? Bah ouais. Pourquoi ils ont pas appelé, c'est pour... Ils sont complètement débiles. Oh merci, putain. Mais, mais ça fait trois fois que je la prends, frère. Regarde. Hop. Mais ça marche pas. C'est de la merde. Ça ne fonctionne pas les appels. Ça ne marche pas. Je voudrais être relax, mais je commence à en avoir ras le cul. Quoi. Je crois que je vais, mais, ouais, je vais laisser un petit message. Mais c'est le con là devant là, qui regarde, il s'est arrêté au milieu de la route là, je devais l'éviter, je pouvais pas, putain, casse les couilles. Bon ça va, t'as de la chance, mais putain. Bah on a fait un petit tournis quoi, casse les couilles quoi, évidemment. Oh. Pété un câble. Il y en a à Paletto Bay.
Il y en a à Paléto Forest, il y en a chez les shérifs. Ils ont fait quoi à Paléto? Je sais pas, il y a dû y avoir une espèce de partie géante là, puis ils sont tous coincés. Ils sont tous consanguins là, des taux, non? Là, t'es pas trop loin quand même. Ils baisent entre eux, mais voilà, ils sont pas consanguins, c'est que c'est cette histoire. Ah ouais, ça n'a rien à voir du coup, d'accord. Bah oui. Tu vois, c'est pas le même appel, hein. Là, j'en ai marre. Je crois que c'est chez les. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est chez les. Ouais. Il y avait personne ici tout à l'heure. Bah ouais, mais. Est-ce qu'il y a des gens peut-être? Fume un peu l'ambulance, mais. Bonsoir, on a eu un appel ici. Enfin, un appel. 10, mais oui. Oui. Ah, oui, c'est à cause de moi. D'accord. Alors, où ils sont? Ah oui, j'ai juste pris un coup derrière la tête. Et du coup, je me suis réveillé le temps que vous arriviez. Et depuis, je sais pas pourquoi, ça arrête pas d'envoyer des appels. Ah. Oui. Donc, ok. D'accord. Vous avez essayé de faire une petite sieste? Non, justement, ce que j'allais faire là. Et faites une sieste et restez là surtout. Faites une sieste, on vous attend. Ok. Ouais, j'ai peur que, en fait, tu sais, ça lui fasse comme nous quand on était au Montchillade. Ouais, non, mais je vois ce que en tu boucle. Veux dire. J'ai cru vous casser en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Elle m'a saoulé. Qui elle? La voiture, elle a du jaune sur elle, j'aime pas. C'est vrai, j'aime pas. Oh, oh, c'est merde. Facile, j'ai presque eu peur. Il y a... C'est un autre, ça, on est d'accord, non? Où? Ouais, c'est un autre, voilà. Ça. Pas les Tobé, 33 mètres. Il y a un autre connard. Hein. Mmh. Bah non, c'est là. Fais attention, Tom, parce que c'est un garage, hein. C'est une propriété privée. Hein. C'est pour ça que je rentre pas, mais il y a quelqu'un ici qui est pas bien, quoi. Je vois. Est-ce qu'on m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ramène ton cul si t'as pas envie que je te botte le cul! Ouais, désolé, y a quelqu'un ici qui fait des appels là. Qui fait des appels, c'est-à-dire? Bah, je crois que j'ai un mec pas bien ici. C'est ouais, vous, monsieur? Ouais. Ah, c'est pour vous! Sam, t'es où? Ouais, si on peut sortir, si ça me dérange. Ouais, ça me. Désolé, mais fallait vraiment que je trouve quoi. Y a pas de problème. Je sais que vous avez du boulot assez fort. Ouais, donc c'est moi qui vous embêtais en fait, je vous explique. Ouais. J'ai fait une petite chute en moto, mais vraiment léger. Ok. Mais j'avais vraiment personne pour me conduire, j'étais tout seul à la base ici. D'accord. Et en fait, je vous explique, j'arrive en moto. Et là, j'ai un ami qui ouvre sa portière. Ok. Et du coup, je me suis accroché à la portière. Ah merde, vous avez glissé ou... Ouais, c'est ça, la jambe. Bon, ici, j'ai quand même déjà fait un petit peu le premier soin, entre guillemets. J'ai passé sous l'eau, j'ai retiré tout ce qui était gravier et tout ça. Et alors j'ai un peu mal à l'épaule, mais vraiment léger, je pense que c'est surtout le choc, entre guillemets. Ok, ouais. De toute façon, vous avez fait les premiers soins, j'aurais pas pu faire plus, je pense, à part désinfecter. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que vous avez désinfecté ou... Ah ouais, désinfecté un peu, mais je pense pas à la bonne méthode. Okay. Ici, on n'a pas les mêmes trucs que chez vous. Ouais. J'ai mis ça au whisky, donc... Ah, whisky? Ah oui, non, c'est pas la même méthode du tout. Léger. Du tout. Ouais. Non, mais on va... Affectant. Je vais redésinfecter... Bah, c'est... Oui, c'est... c'est une autre méthode, quoi. Non, je vais redésinfecter et puis... Et puis ça va aller, hein. Vous voulez que j'enlève le pantalon? Ouais, je veux bien. Moi, je peux vous dire déjà que c'est la jambe droite. Bah, c'est ce que je vois. Rouge, c'est bien cramé, en fait. En fait, je dirais même la jambe gauche, pour le coup. Ouais. Oui. Voilà. Vous en faites pas, ça va aller. Vous avez traîné sur beaucoup de mètres ou ça va genre... Allez,
C'est vraiment le temps de nous récupérer, quoi. Un bon mètre. Même pas. Ouais. Vraiment léger, quoi. Ok, nickel. Hop. Ça pique un peu, hein, je suis désolé. Ah, oh, bah ça. T'as demandé ta coloscopie ? Ouais, non. Oui. Alors. Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais j'ai dû rentrer parce qu'on me répondait pas et puis j'avais un blessé dedans. Là. Je pensais même qu'il y avait un mort pour le coup. Non. Donc je suis vraiment désolé. Hein. Pas de soucis. Ouais, faut avoir du cliché. Attention. Attention. Ouais. J'ai travaillé deux pros que tu me fais là. Ah bah il faut. Hein. Voilà. Non mais monsieur, il a glissé sur plusieurs mètres là, donc il s'est brûlé. Moi, quoi. Bon mètre, ouais. Et la petite dernière. Voilà. Oh, super. Ça c'est du pour mettre le pantalon. Ah bah oui, on s'y connaît. Tu te rends compte, Shannon, le monsieur il se désinfecte à la vodka ? Non, au whisky ? Whisky. C'est efficace, non ? Ah, c'est, bah, c'est efficace, mais bon, c'est pas la meilleure solution. C'est cher, quoi. L'alcool, c'est pas. Ouais. Ouais. Mmh. Ah, bah c'est bon, je préfère le boire. Ah, bah voilà. Oui, moi perso, je préfère le boire, mais ça, c'est sûr. Ah, ouais, perso, je préfère une bonne binouse, quoi. Ouais, c'est le débutant, ça. Je reviens. Baissez-vous et relevez-vous, s'il vous plaît. Voilà, nickel. Il va me falloir votre identité, s'il vous plaît. Ouais. C'est Fab. Ok. Date, bon, on est bien le 21, on passe mytho. Hein. On est le 22 ouais. Maintenant. Vous avez un métier ? Mécano, ouais. Peut-être ? Chômeur. Chômeur. 100%. Il vit au crochet d'état. Ouais. C'est lui qui lui donne son salaire. Voilà. Je suis un bon profiteur. Bah pareil, écoutez. Pareil ? Ah ouais, pareil. En fait, il fait semblant d'être un médecin, il est pas médecin. En fait, il est chômeur. Ah, ok. Ah putain, c'est vrai que je suis médecin. Non mais excusez-moi. Non mais oui. Oh bah oui, écoutez, ouais, en vrai, ça va, je peux me faire 10 000 en un soir, voire 15 000 si je... Ah ouais ? Oh ouais, quand même. Putain. Après, moi, je cours pas après ça, moi, c'est plus sauver des gens. Ah, alors attendez, parce que j'ai eu un léger souci avec ma petite plaquette, là. Je regrette si votre rapport est bien fait. Non, pas du tout. Ok, donc Fab. Ouais. Voilà. Cause. Eh ben, une glissade. Hein. Date, on est toujours le 21. Non, le 22. Tant pis. Bon, ça, j'aurais été soigné hier. Et quelques heures près. Vous êtes dans le passé, monsieur, vous le savez, ça. C'est retour vers le futur. Oh, belle ref, je vous aime déjà. Et oui, voilà, rapport fait. De quoi ? Vous l'avez vu sur quel poste ? C'est-à-dire ? Moi, je l'ai vu en Jackie et Michel. Ah ! Ah ! Sale complexe. Hein. Je connais ces retours vers l'anus. Ouais. Ah, bah ouais, je me suis trompé dans le titre, vous voyez ? Mais, d'ailleurs, il y en a plus que la trilogie originale, il y en a 4. J'ai vu les 4 moi. Ouais, c'est chouette. Oh, ils sont bien, comment dire. J'aime bien quand la dame commence à prendre feu pour voyager dans le temps et. Ah ouais, ouais. Il lui faut 88 coups de bite pour pouvoir voyager dans le temps. On appelle ça la rime. Faut que l'aiguille soit au bon moment. Ouais, c'est ça, ouais. Puis elle s'électrocute pour pouvoir aussi. Ouais. Enfin bref, c'est assez. J'adore les scénaristes, quoi, c'est. Ah ouais.
Enfin bref, je vais vous laisser, j'ai une intervention. Ok, pas de problème, un grand merci à vous, Doc. Bah y'a pas de quoi, faites attention à vous. Ouais, on va faire attention, on va mettre des petits trous maintenant. Mais bien sûr, puis à l'occasion, je viendrai prendre un verre. Apparemment, vous avez un bar ? Ouais, on a un bar, mais ici, il est toujours en aménagement. D'accord. En 24, on va faire une grande ouverture pour tout ça, quoi. J'espère que je suis invité. Hein. Ah ouais, mais tout le monde sera invité. Ah bah on nickel. On va bientôt faire aussi l'ouverture du mécano ici. Ah oui, le LS Motor, je crois, j'en ai entendu ouais, parler. C'est ça. Ok, ouais. SR, donc ça va être chouette. Ça tombe bien, j'ai deux motos, donc comme ça, c'est vite bah, fait. C'est bien. Bon, allez, passez une bonne soirée. Merci à vous. Prenez soin merci de vous. À bientôt. Au revoir. Et surtout, regardez Retour vers le NUS 4, hein, c'est le meilleur. Ah, oh, t'es là. J'espère qu'on va arriver à Los Santos. Hein. Bah j'espère parce que j'ai pas de kit. Hein. Ouais, on est kit. Hein. Jake, est-ce que tu es là? Jake. Il est pas là. Hein. Ça va mieux toi Shannon? Tu m'entends, Shannon ? Valentin, si t'es sur le stream, Valentin, sache que je t'ai envoyé un message en RP pour te répondre, mais là tu l'as peut-être pas reçu, quoi. Ah yes. Attends,
Attends, t'as pas de radar de recul vert là? Non? Je parle pas à la radio. Bon. Oui, Tom, tu m'entends? Ouais, Snoop, je suis désolé de te déranger, j'ai un gros souci avec Shannon là. On est en panne. Ça arrive, vous êtes où? Je t'envoie une petite pause. Vous êtes en panne de quoi? Bah, de. Ah, ramène des petites pièces pour le moteur, je pense, parce qu'on est en panne à cause de ça. Ok, ok, ok. Ça arrive. Merci, ça marche. Ouais, excuse-moi Tom, j'ai été appelé par Washington rapidement. Tom? Ouais, nickel. Merci, hein. Oh putain, qu'est-ce qui se passe encore assez? Bah, Tommy s'est pris un caillou. Ok, intéressant. Ah oui, oulala. Ouais. Ça, c'était même plus un rocher qu'un caillou, là, mais... Vas-y, putain. C'était même une montagne, je pense. Ça va, Tom? T'es pas trop choqué, là? Ah oh, il est pas... Il... Ouais, si, il est grave choqué, là, il répond. Ah oui, putain, oui, il a... Oui, il a... Ouais. Ouais, ouais, c'est compliqué, ce soir, ouais. Oh, putain, je pense que c'est compliqué pour tout le monde. C'est... Ouais. Bon, qu'est-ce que... Putain, ouais, d'accord. Ça, c'est vraiment le sentier, là-dedans. C'est le filtre à huile, hein, c'est sûr. Hein. Excuse-nous, la mécanicienne, hein. Je fais un CAP, hein. Ouais, CAP, ouais, CAP. CAP mécano, hein. Ouais, mécano, ouais, d'accord. Filtre à huile, elle m'a dit. Le filtre à huile. Je pense qu'il faut changer la lumière du phare. Hein. Ouais, ouais, ça doit être ça. À mon avis, je pense que l'ampoule est grillée, c'est pour ça que ça fume. Je pense que ça a fait un court-circuit dans la voiture. Hein. Ouais, ouais, je pense. C'est tout automatique et voilà, du coup, ça fout la merde. Hein. Ok, intéressant, je note. Oh, Tom Sawyer. Non mais je t'ai dit, il est ouais. Ah oui, il est pas bien. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'en plus, je peux pas partir sans lui, quoi. C'est fou. Oh bon, bah non, non. Ah. Nickel. Je crois qu'il est décédé, hein. Putain. Aïe. Qu'est-ce que bah non, en fait, ça va, c'était un prank, regardez. J'ai une caméra ici. Tu... Et là. Y'a pas de caméra, Thomas. D'accord, ça, bah, ça va, c'est bon. Et c'est ok. Voilà, c'est bon. Donc le gentil monsieur a réparé ta gentille voiture. Ouais. Ah non, c'est pas un gentil monsieur, c'est Snoop. Bah, ah, gentil Snoop. Bah oui, c'est gentil. Bah oui, mais il a un prénom, du coup. C'est Snoop, pas gentil monsieur.
Donc ce gentil Snoop a réparé cette gentille voiture et ça va gentiment nous permettre de rentrer. Hein. Allez. Voilà, sans accident. Voilà. J'ai pas fait d'accident. Oui, oui. Elle me saoule, hein. Je peux plus la supporter en fait. Bon, je me casse. Non, non, c'est moi qui conduis. La douillette. Genre, elle a fait ça. Ok, bah ramène-moi Snoop, vas-y, si t'as le temps. Il est monté dans ma voiture. Ah bah ouais. Ah ouais, non, mais c'est bon là, c'est bon, j'ai fait la gueule pour la soirée. Elle m'a gavé. Oh là là, vous êtes vraiment un chien et ça. Incroyable. Ouais, oh putain. Bah, je m'en fous un peu. Ça. Hein? Donc tu vas faire quoi après? Bah, je sais pas. Peut-être aller me faire un peu de maille. Un petit quoi? Un petit peu de maille. Ah ouais. En faisant quoi? Bah, l'ambulance. Ah bah, vas-y. Hop là, t'as vu ça, cette maîtrise? J'ai vu ça. Hop là. Cette voiture, elle est infâme. Elle est incroyable. Ouais, t'es fou. Bah merci Snoop. Bah t'as rien. T'es vraiment quelqu'un de super sympa. Tu conduis vraiment comme une pétasse. Pourquoi? Tu conduis vraiment n'importe comment. Je conduis hyper bien, t'es malade. Bah ouais. Bah ça veut dire bon. Est-ce que Jake vraiment... présent? Ouais, t'es en intervention là. Intervention de quoi? Ah oui, il est où? Et quoi, vous avez fait une intervention là? Et comment ça se fait qu'il est ici alors que j'étais encore sur l'hôpital sur l'autoroute? Comment ça se fait qu'il était ici? Enfin il est. Bah le patient. Et tu vas pas me dire que t'es à Paléto là pour je sais pas quoi? Ah ok, je crois que j'avais. Eh, tu prends de la place toi hein? Hein? Tu prends de la place toi. Tu prends de la place. Oh. Ok, ok, ok. Oh, t'as fini de travailler là? Oh, allez, let's go. En plus, j'ai sorti le buggy. Bonjour, hein, dans mon petit temps, hein, bonjour. Hein. Bonjour. On fait une pause? J'ai envie de faire une pause. Oh, si seulement on pouvait. Hein. Oh, si on pouvait. Hein. Oh, si on pouvait. Hein. Mourir demain. De quoi? Tu pousses la porte. Hein. Tu veux faire quelque chose avec Snoop et moi? Vous, faire quoi? Vous voulez faire quoi? Luc, peut-être qu'il y a quelqu'un, je sais pas. Titi me répond pas, donc je sais pas si peut-être il dort, je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Luc, t'as beau lui envoyer 20 messages, il répondra jamais. Quoi. Ouais, c'est toujours ce problème de téléphone là. Ouais. Je vois. Attends, viens, on va ta voiture. Ou-i-ou-a-a. Ding, ding, badabadabing. Je me suis tellement bien garé, quoi, ça. Attends, si ça m'arrive, dis-lui juste que je fais un petit sneak sur mon téléphone, là, au calme. Et que je suis là. Ouais. Allez, va, papa. Allez, gros. Allez. Gros chat. T'es un gros chat. T'es un gros chat plein de graisse. Hein? T'es un gros chat. Couscouille, coucouille, mouille.
Voilà, c'est bon, je suis là. Bon, j'aide. Fantôme ? D'accord. Bah, t'es là, Shannon ? Non, non, je suis pas là. Tu je t'emmène où ? Bah, je sais pas, n'importe. On se balade ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, j'ai vu que là, j'étais un buggy. Ah ouais, mais là, à cette heure-là... On peut aller voir, hein. On va voir. Bah si, quoi, aller voir, non ? On va aller voir. T'as quoi ? 120 discussions, t'as combien sur ton compte, hein ? Hein ? Allô ? Bah oui, tu vas à la station essence. Et en fait, garde pas trop ta voiture devant, tu vois. Mais t'essaies quand même de faire le plein. Où ? D'accord, ouais. Bah oui, tu... Ah, mais... Bah si, normalement, si, c'est comme ça. Tu t'approches de la pompe à essence et tu fais le plein, quoi. T'es tombé en panne d'essence, t'es vraiment un gros noob. Hein. C'est pas méchant, hein, mais je le pense. Désolé, hein. On n'est pas tous parfaits. Hein. Enfin, moi, oui, mais... Vraiment cool celui-là. Bonjour, monsieur. Je vais l'acheter. Ça. C'est quoi ? Combien j'ai de sous sur mon compte, tu m'as demandé ? Mmh. Quasiment 200 000. Ah ouais, t'es bien, tu vas pouvoir acheter ta maison. Je vais pas l'acheter. Moi, je vais l'acheter la mienne. Ou celle d'à côté, peut-être. Pourquoi vous faites coucou, vous ? C'est rien, je lui ai flashé dans l'œil. Je vois, je... Oh putain, c'est un pote. C'est... ouais. Vous disiez quoi, concesse ? On veut acheter mon putain de buggy. Jure ! Mais l'autre n'est jamais là. Ouais, jamais là, c'est vrai. C'est compliqué, quoi. C'est ton bus, ça, vraiment ? Ah oui, oui, parce que sinon, en fait, les mécanos, mais ils arrivent pas à acheter un bidon d'essence. Ouais, bah, il va vers le truc d'essence, puis voilà. Il achète, quoi. Mais... Bah ouais, bah j'arrive pas. Ouais. D'accord, on peut t'emmener. Du coup, on va l'emmener, ouais. J'ai que deux places. Je vais... Okay. Ouais, je vais dans le coffre. Ah bah, alors, on va pas se battre. On passera pas dans le coffre, hein. Ah ok, donc je suis trop gros, c'est ça ? Ah ok, super. Trop peut-être pas, mais... Non, mais ça y est, j'ai compris, hein. Voilà. Vous avez des complexes, ben voilà.
Attends, faut qu'elle rentre dans... Je vais devoir acheter un bidon d'essence quand même. Ah mais attends. Quoi donc? Mais il me semble que j'en ai toujours un dans mon coffre au cas où. Ah oui, c'est bon, j'en ai un. Allez, let's go. Tiens. Attends, 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 mais Snoop, tiens. On l'attend, j'arrive, hop. D'accord. Nickel. Hop. On peut y aller? Tu peux le prendre, parce hein. À la base, moi j'étais dans le coffre, donc si on pouvait... Ok, carré, merci beaucoup. Bah ouais, de rien. On peut y aller du coup. Excellent. Et oh 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 oh. 8 heures pour prendre un bidon, hein. Bah, regarde comment je vais conduire. Hein. Tu me mets un point? Yes. Team speak de mes couilles! 4 fois qu'il crache ce soir, hein, Team speak. Hein. Ça commence à faire vraiment gros. Hein. J'ai mangé qu'un triple cheese et des potatoes et des nuggets. Bah oui. Et tu fais quoi toi? Ouais, j'ai réglé un souci parce que là les problèmes ça me casse les couilles. Ok. Mais ouais, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Oh t'inquiète. Pourtant c'est pas comme s'il y avait beaucoup de personnes encore réveillées. Ouais ouais mais bon, t'arrives quand même tu vois. Ouais, et là après tu vas prendre à droite en haut. À droite. Ouais non c'était de l'autre côté en fait, je me suis trompé autant pour moi. Y'a pas de problème. Ok, et normalement mon buggy, vas-y avance. Ta gueule toi. Vas-y avance, ça va être sur la gauche normalement, ouais il est là-bas. En ouais, face. Mais du coup c'est à droite hein. En face de toi, à gauche. Crac. Waouh. Ouf. Hop. Pas passé loin ça. T'es un vrai chef. Alors comment on fait? Il est mécanicien, il sait pas remettre de l'essence dans une non, voiture. Mais... Oh, la prochaine fois qu'elle m'appelle pour... pour réparer sa voiture, je dirais je suis mécanicien, mais c'est pas ma voiture, hein, c'est l'ambulance. Et je te signale que tu as un contrat avec l'hôpital, donc t'es obligé de venir. Hein. Ouais, mais attends, non, mais sans rigoler, je fais comment pour. Et c'est moi qui ai appelé en plus. Non, mais c'est une blague. Oh. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais j'arrive pas à mettre de l'essence. Des fois ça arrive. Donne voir. Ah, mais attends. Non, mais yo, c'est quoi cette merde? Mais voir le bidon par terre, oui. Mécanicien, je le rappelle. Professionnel. À des voitures. À toi, la ramène pas non plus. Je n'arrive pas à mettre d'essence dans cette merde. Alors moi, j'ai fait qu'un CAP mécanique, mais a priori, je sais remettre de l'essence dans une voiture. Ah oui. Ah bon. Après, voilà. Ok, attends, attends, je prends mon temps. Ah mais ça y est, mais attends, mais oui, je suis con. Mais oh là là. Eh oui. Oh mais ah. Quel con. Eh oui. C'est compliqué hein, de sortir oh le bidon d'essence. Oh là là là, mais quel con. C'est une soirée oh, compliquée. Ah ouais, c'est... Ouais, non mais mécanicien quoi. Ouais, ouais. Mécanicien, attends. Coupe PDG hop là, de la mécanique quoi. Exactement. En fait, tout ce que je voulais, c'était que Tom me mette de l'essence. Ah ouais, je suis le bouffon quoi. Bah non, juste j'aime bien. Ah d'accord. J'aime bien. C'est tellement sexy quand tu mets de l'essence comme ça.
Bah après je suis sexy tout court donc Ah pardon. Autant pour moi. Ça reste normal quoi, c'est... Non, mais... je voulais pas vous offenser, monsieur le président. Je suis pas offensé. Je suis okay. Tom Owens. Oh, pardon. Excusez-moi, Tom Owens. Alias la mèche rebelle. Ne vous excusez pas, hein. C'est un signe de faiblesse. Ah, oh, ok. Bah, on va te faire enculer alors. Attention, hein, parce que je suis pas. T'es pas de ce bord. Exactement. Ah, t'es l'autre bord, l'autre trottoir. Voilà, j'ai plus d'essence quoi, c'est. Nickel, monsieur Watts. Hop, on va le laisser par terre, hein. Ah oui? Ouais, ils iront le ramasser, les trucs de déchets. Ah, t'as roté, fais gaffe. Hein. C'est le Coca-Cola. Ça sent la... Enfin, c'est même pas du Coca-Cola, ça sent le Coca. Ça va me saouler. Ça va grave me saouler, les appels et tout. Ça me casse les bonbons. Mais nous, on peut même plus mettre des véhicules sur nos plateaux. Attends, je vais faire un truc simple. Attention, regarde. Attention, hein. T'es prêt? Attention. Ouais. Oh putain, attends, regarde, je fais un truc simple. Hop. Hop là. Sans jamais. Ah, excellent. Attends, mais à quel moment tu peux être co-directeur du mécanicien alors que tu sais pas remettre de l'essence? Bah ferme-la, toi aussi, là. Non, mais à quel moment tu peux être co-directeur du mécanicien? Mais je suis fatigué. Alors que tu oublies de mettre de l'essence dans ton véhicule. Ouais, non, mais je l'ai juste récupéré sans essence. Après, elle est médecin, mais tout ce qu'elle veut, c'est amputer, donc... Oui, mais une amputation, ça sauve des vies, des fois. Pas être méchante, mais... Pas dans chaque cas. C'est vrai. Bon, ok. Vous allez faire quoi, là? Bah, moi, faut que je voie juste quelqu'un rapidement. Et après, rien. Ok. Bah, vas-y, hein. T'as faire quoi, toi, Tom Tom? Bah, moi, du coup, j'ai rien à faire. Voilà, c'est beau, hein. Incroyable. Je vois. Vous allez me spotter au mécano et puis voilà. Voilà, c'est tout ce qui va se passer. Tant bien, je vais m'endormir là-bas. Eh ben ouais. C'est... Ma biche. Ouais. Ok, nickel. Je ma biche. Je pense que je vais aller faire des sous-sous. Comme dans le bus. Voilà. Non, ça parce que j'ai pas de pote, quoi. Mon rendez-vous. Ça roule. Petite visite ça. Médicale des familles. Hein. Ah bah je viens avec toi à l'hôpital alors. Ouais si tu veux mais je la fais pas à l'hôpital. Ah d'accord. Bon allez à plus tard. A plus. La baisse rouille, hein. Ouais tu peux me déposer à l'hôpital juste s'il te plaît. Ah moi j'ai une tille. Tu vas faire des sous-sous toi? Bah j'ai rien à faire donc ouais. Non, j'ai dit visite médicale parce que je voulais pas qu'ils sachent qui je devais voir. Vu que je sais que ça se passe pas du tout bien entre les deux en ce moment. Et donc Tyron. C'est Tyron. Il a été kidnappé ce soir. Ah ok. Et il y aura peut-être, je sais pas, je te dirai, mais il y aura peut-être besoin d'un suivi psychologique, hein. Mais je suis pas encore psy. Je sais, mais t'as des compétences, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, t'es plus. Je suis renseigné. Que moi, tu vois. Enfin, voilà. Enfin, on peut te parler plus facilement et t'es peut-être de meilleurs conseils que moi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah, peut-être, ouais. Après, je veux être psy, mais j'espère qu'ils vont pas me gonfler avec toutes leurs histoires. Là. Ouais, j'espère aussi. Après, psy, je te cache pas, t'as pris le pire truc, non? Non, mais. Ça, je vais bien me marrer, tu vois. Ah, je te fais les chambres et nous d'ailleurs, en fait. Ici, c'est très bien. Bah attends, sors pas. Comment Bah c'est bon. Avec l'ambulance. Ah, l'émission. Bah ouais. Ok, l'émission de la mutuelle, d'accord. Ok, nickel. Bah tu me dis si tu veux me revoir. Ça va pas durer très longtemps. Oui, mais ça va pas durer longtemps, je pense. Ah ok. Au quiche. Bon bah travaille bien, à tout de suite. À tchouch.
faire quelques petits jobs ambulance là, en se mettant un peu de musique, histoire de se détendre un peu la nouille. Hein. Putain, j'ai faim. Je vais me faire à bouffer. Je crois que je vais me faire. Je reviens, je vais me faire à bouffer.
Ouais, re... Bien manger, moi.